when I call your name, you will come forth. I shall place the salty hat on your head, and you will be sorted into your houses. Is levitation, the ability to make objects fly. Wingardium Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pierre Totem Locomota. Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé une excellente journée. J'ai failli être en retard ce soir, voilà, j'ai failli être en retard, puisque je viens à l'instant de rentrer de chez le banquier, j'ai juste eu le temps de prendre une douche, il m'a fait du bien, on va pas se mentir. Mais donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, comme je vous ai dit, vous avez tous passé une excellente journée. Hier du coup, vous le savez, il n'y avait pas de stream exceptionnellement, puisque j'avais ma réunion de copropriété. Hier je me suis... En vrai, ça n'a pas terminé si tard que ça hier, ça a terminé à 21h30, ce qui reste raisonnable en réalité pour une réunion de copro, d'habitude ça finit à 23h. Et donc, voilà. Dans un premier temps, je vais déjà commencer par vous dire bonjour quand même, de coucou Sandal, coucou Bocadict, pardon. Coucou Sinoct, la Félix, coucou Amélilia, coucou Seralina, coucou Amour, coucou Sayana, coucou Shioko également, coucou Abigail, coucou tout le monde, coucou, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde il me semble. Alors ton rendez-vous, alors écoutez, mon rendez-vous s'est relativement bien passé avec la banque, étant donné que la maison était dans le budget assez haut de mes prévisions, la journée j'avoue que le banquier a dit ouf. Attendez, on va essayer de négocier quelques trucs. Du coup, ça devrait passer normalement. À la base, je ne devais pas faire d'apport. Finalement, je mets un apport. Voilà, histoire de... voilà, comme je fais une petite plus-value au niveau de l'appartement. Normalement, voilà, je gagne des sous en revendant mon appart. Du coup, il y a une partie, il y a la moitié des sous que je gagne, que je vais mettre pour cette nouvelle maison. Pour espérer que ça puisse passer. Normalement, il a dit qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème. Mais on ne sait jamais, comme c'est un peu compliqué en ce moment. Mais donc, voilà. Parce que les estimations que m'avait faites mon ancienne banquière qui a changé, ça est parti entre temps en congé maternité, n'étaient pas tout à fait bonnes sur certains trucs. Donc, du coup, petite déception par rapport à ça. Mais normalement, il m'a dit que voilà, il se battrait pour mon dossier, qu'il n'y aurait pas, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Le principal, c'est que ça passe. On va croiser les doigts, croiser bien tous les doigts pour moi. Ou sinon, faites des dons. Faites des dos comme ça on achète la maison. Mais non, un peu plus de sérieux. Oui, donc normalement on croise les doigts, mais normalement ça devrait le faire. Je dois juste attendre qu'on m'envoie le compromis de vente de la maison. À partir du moment où j'ai le compromis, la demande de prêt sera faite. On a déjà tout pré-rempli, tout pré-fait. On a voilà, tout, voilà, j'ai les papiers, etc. Maintenant on attend juste le fameux papier de la... Voilà, ça devrait arriver je pense la semaine prochaine. Dès que la semaine prochaine je reçois ce papier là, normalement. Si je signe, hop, après, bah, du coup, bah, la demande de prêt part automatiquement. Et après, bah, normalement, il y a un délai d'attente de plusieurs semaines. Ça peut être très rapide, comme ça peut prendre jusqu'à un mois. Et puis, bah voilà. Ouais, vous trouvez le sugar daddy. Exactement, s'il y a un sugar daddy des Émirats Arabes Unis qui ne sait pas quoi faire d'un petit million en trop, il y a mon lien PayPal dans la bio, en dessous du live. Genre, il y a écrit, genre, don. Tu cliques dessus et tu peux faire des dons. Voilà. Un petit million, je ne demande pas grand-chose. Je suis là aussi hein. Mais coucou Sinoc, je t'ai pas dit bonsoir, mais excuse-moi, mais bah coucou Sinoc, il me semblait t'avoir dit bonsoir entre... Mais si je l'ai dit, j'ai dit après Boucadic, j'ai dit Sinoc. Je crois que j'ai un peu mâché le mot, excuse-moi. Ah moi aussi je viens, ah pardon, je croyais que tu disais que je t'avais pas dit bonjour hein. Bon bah c'est quand... Oui, c'est quand même des... Il m'a pas dit genre non c'est bon c'est mort quoi. Donc voilà, et vous savez quoi? Et vous savez quoi? En plus de ça, il m'a dit que mon stream allait aider, puisque bah, vous savez, bon, je suis employé dans une société, ça y a pas de souci. Mais il m'a dit qu'en fait, mes revenus de stream allaient pouvoir m'aider à obtenir le prêt. Et ça, les gars. Du coup, c'est-à-dire que si j'obtiens le prêt et que j'arrive à avoir la maison, ça sera aussi grâce à vous. Et ouais,
Donc vraiment, merci. Merci, 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 merci. D'ailleurs, en parlant de ça, il nous reste plus que 5 jours, les gens. Il nous reste plus que 5 jours de septembre. Ah bah voilà. On va en parler. Merci, Serena, pour ton resub, pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Si cela vous intéresse en ce moment, il est septembre. Vous avez tout ici. Il nous reste plus. Il nous reste plus qu'à faire le saut en parachute qui arrivera du coup dans 100... je sais pas calculer. Dans 169 subs. Dans 169 subs. Sachez que je devrais faire un saut en parachute qui sera filmé. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois que c'est dès aujourd'hui que les subgifs sont en promo, non? C'est aujourd'hui ou c'est demain? J'ai un doute. J'ai un doute, mais il me semble que c'est aujourd'hui. Je participe pour la maison, merci beaucoup. Merci, 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 ça fait super plaisir. C'est aujourd'hui, donc si jamais vous voulez offrir des subgifts, si vous faire des subgifts, et eh ben écoutez, c'est le moment où jamais. Ils sont en promotion, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si je dis pas de bêtises, que ce soit par 5, par 10 ou par que sais-je, normalement ils sont en promotion. Donc voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez le faire. Et mais... Mais what? Mais merci Sandal pour le subgift à Zildo. Mais merci beaucoup, mais il fallait pas. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Mais incroyable. Alors attendez, parce que du coup, ça fait augmenter le petit delta juste en bas. Par contre, à savoir, je n'ai pas réussi à trouver les bonbons Harry Potter. Je n'en ai plus. Donc ne vous inquiétez pas, je vais les compter et je les mangerai à un moment donné dès que j'en trouverai. Mais voilà, donc je suis désolé, pour l'instant, j'ai plus de bonbons Bertie Crochu, puisque malheureusement, les autres ont pris le thé. Et autant vous dire que déjà que c'est pas bon. Si en plus je devais les boire, enfin les manger avec, avec le thé qui les a fait baver, couler là, je pense que je serais mort. Donc voilà, hop, je vais corriger ça. Du coup, on va augmenter, parce que du coup, ça a augmenté, puisqu'un sub de niveau 3, on avait dit que ça rapportait 3 points, si je dis pas de bêtises. Donc on va rajouter 2 points. Parce que techniquement, ça en rajoute un à chaque fois. Donc, on se fait ça. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et bien, on va faire le Génération Leader. On va faire le Génération Leader. Hop là, save. Voilà, on se met ici. On fait le petit save également. Et moi, je vais m'asseoir parce que je me fais vieux. La journée a été longue et éreintante et stressante avec ce... Si, sur Amazon, j'en trouve, mais en fait, si je les commande, en fait, je m'étais dit, je suis allé faire 2-3 courses avant d'arriver, enfin, après être arrivé du banquier. Et en fait, j'ai pensé, il y en a dans le Auchan à côté de chez moi, mais là, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, bah, là, je peux les commander, mais je les recevrai la semaine prochaine. Mais je peux les commander. Je m'étais dit, bah, je préfère les acheter sur place, entre guillemets, parce que je serais sûr d'en avoir. Bon, bah, finalement, non, quoi. J'ai juste très envie de te voir faire la maison de la sorcière d'Ansel et Gretel dans ce thème, tu m'étonnes. Alors pour la réunion de ta copro, ils ont été choqués que t'aies vendu ton appart rapidement. Alors ouais, ils ont été très choqués que j'ai vendu rapidement. En revanche, ils étaient tous très contents. Ils étaient tous très contents que j'ai vendu parce qu'ils étaient, enfin ils pensaient pas qu'on arriverait à vendre alors qu'il y a un travaux de, enfin potentiellement un travaux de ravalement de façade de voter. Alors vu ce que j'ai appris à la réunion hier, autant vous dire que c'est super. Et certain que le projet il va se casser la gueule, mais alors à 1000% le projet il se casse la tronche vu ce que j'ai appris, vraiment voilà. Mais non, ils étaient tous très contents et tout. Il y a des gens qui m'ont demandé combien je l'avais vendu, qu'est-ce que j'avais fait pour le vendre, etc. Parce que bah, forcément il y a plein de gens dans ma résidence qui veulent partir. Après quand je dis plein de gens, enfin on est 200 dans ma copro hein, donc quand je dis plein de gens, il y en a 4 qui m'ont demandé hein, donc bon, mais ça fait quand même beaucoup pour moi. Voilà, vieux, tu as quel âge? Bah, j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 là. Je vais sur mes 31. Hop. Donc, voilà. Normalement, ça a dû mettre... attendez, parce que ça ne l'a pas actualisé. Bah alors, bah pourquoi? A-t-on dit. Ça va casser le chat. Bah c'est normal. Ça va casser le chat. Hop. Oui, non? C'est bon, ça l'a actualisé. D'ailleurs, vous avez pu le constater, j'ai enlevé maintenant le petit spot HelloFresh. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont cliqué sur le petit lien et pour tous ceux qui ont commandé. Merci beaucoup, je crois qu'en tout, il y a 5 personnes qui ont commandé les box HelloFresh. Et vraiment, je voulais vous remercier parce que ça, moi, ça permet d'aider la chaîne. Et en cette période d'achat de maison, je ne vais pas vous mentir, et ben, c'est très gentil à vous. Donc merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça m'a fait très, très plaisir. D'ailleurs, je vais mettre tout ça pour vous. Donc merci, 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 merci. Ils sont remplis de relais, ok. Et coucou Lexa. Donc voilà. Et bonsoir Amandine, comment tu vas? Donc voilà un petit peu, voilà, je voulais vous remercier par rapport à tout ça, parce que bah,
C'est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, alors, je vais vous parler également de l'autre sponsor de la chaîne que vous voyez juste ici, les boissons Oli. Et bien, en fait, les boissons Oli, ils ont sorti un nouveau truc aujourd'hui. Je crois, ou c'est demain. Non, c'est aujourd'hui qu'il est sorti. Ils ont sorti un calendrier de l'Avent. Donc, si jamais vous voulez tenter, et bien, simplement d'acheter ce calendrier de l'Avent, et bien, écoutez, n'hésitez pas, parce qu'il est actuellement disponible sur le site, ou alors peut-être qu'il est déjà en rupture de stock, ce qui est possible aussi. oui, j'ai vu que tu as craqué, j'ai reçu la notification pendant que j'étais chez le banquier. Non, j'ai failli avoir un accident de voiture à cause de Chiyoko, parce que j'ai reçu la notification, et en fait, j'étais en train de conduire, et en fait, je devais impérativement regarder mon GPS, et en fait, au moment où j'ai regardé, j'ai voulu enlever la notif, et j'ai pas vu, il y avait un truc sur la route et je me le suis mangé. Alors c'était juste une espèce de plaque au sol, mais donc du coup j'ai failli me prendre un truc à cause de toi. Mais voilà, parce qu'en fait il fallait vraiment que je regarde, parce qu'en fait j'ai reçu la notification et du coup ça a enlevé le GPS, donc voilà. Je suis passé par un endroit que je ne connaissais pas, s'il y avait une déviation pour aller à ma banque. Et du coup, voilà, j'ai failli, voilà, sur le mot. Alors j'ai rigolé en vrai, hein, parce que quand j'ai vu, j'ai marché sur une espèce. En fait, il y avait quelque chose d'un camion qui a dû tomber, c'est une espèce de plaque qui était au sol. Donc voilà. En tout cas, sur des bonnes paroles quand même. Du coup, ouais, attendez, je vais vous montrer juste le calendrier de l'Avent. Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas reçu le calendrier de l'Avent au lit pour le moment. En fait, j'ai reçu un petit courrier, j'ai reçu un petit message de Oli disant qu'il ne pouvait pas l'offrir à tous les partenaires au lit et qu'en fait, comme il y a très vite des ruptures de stock sur ce produit-là, ils m'ont dit que potentiellement, je pourrais le recevoir dans les semaines ou les mois à venir. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas, au pire si je l'ai pas c'est pas la fin du monde, mais voilà un petit peu. Donc vous avez, si je dis pas de bêtises, 24 cases avec différents cadeaux. Donc vous aurez bien sûr les saveurs des sachets, vous aurez forcément des thermos, des bouteilles au lit. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, et ben n'hésitez pas, vous avez le petit lien que Chiyoko nous a mis dans le chat. Donc voilà, si je dis pas, attendez, je vais cliquer moi-même sur le lien. Voilà, disponible au calendrier de l'Avent, voilà, les 24 portes des coups qui claquent, qui veulent du bien et des surprises géniales. Donc voilà, donc là, visiblement, on a un petit, une espèce de, c'est pas un thermos, une bouteille en verre. En plus, elle est jolie, elle est estampillée au lit. Le petit, c'est pour les sachets par jour et les bouteilles par jour et une bouteille en verre. C'est cool, en vrai. En vrai, c'est vachement sympa. Ah, il y en a plus. Attendez, il y a plusieurs. Deux calendriers découvertes. Oh, c'est sympa. D'accord. Ok, donc il y a le calendrier squad pré-vente. Donc là, on est vraiment sur le très gros calendrier. Ici, on a le pack calendrier de l'Avent avec variété inédite, énergie, iced tea, hydratation et tous les best-sellers. Ok, non, en vrai, c'est cool. Donc si jamais vous voulez tester, écoutez, ça peut être sympa. Envie de commander aussi, mais je n'ai pas encore les sous. Je comprends. Après, ça va, là, de ce que je vois, c'est... Il y a encore du stock. D'habitude, ça part très vite. Mais là, il y a encore du stock. Le grand, tu as 8 goodies, des pots entiers, des sachets mystères, et en tout, 148 portions au lit. Ah oui, en effet. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Un peu deg, le prochain jeu Assassin's Creed qui sortait en novembre a été décalé à février 2025. Je vais compenser avec Fefarm qui débarque sur Xbox le mois prochain. J'avoue qu'il y a eu pas mal de reports là, de jeux. Moi, il n'y a pas grand jeu qui m'intéresse en ce moment, pour être totalement honnête. Il y avait juste le Mario Party, mais là, pour l'instant, je vais être en mode... mes sorciers font des économies pour la maison. Donc, pour l'instant, je ne vais pas acheter de nouveaux jeux avant que j'ai la maison. On croit sous le doigt que je l'ai, hein. Une fois que j'ai le prêt et tout. Mais tant que j'ai pas, tant que j'ai pas la maison et tout, que j'ai pas la validation du prêt, je vais faire attention avec les sous. On va éviter de dépenser. La Fistrine qui sort en octobre, ouais, ça j'ai vu. On va en parler, ouais. Même Zelda. Faut savoir que Zelda là-bas, je suis pas extrêmement fan. J'ai bien aimé Zelda Tears of the Kingdom, qui était très sympa. Mais j'avoue, le nouveau jeu Zelda qui va sortir m'attire pas des masses. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment beaucoup attiré par la licence Zelda. Donc voilà, je verrai. Pour l'instant, c'est pas prévu que je le fasse. Et coucou Lucifred, comment tu vas? Hop, du coup, ça va là, ça va ici. J'ai fait un petit message, regarde ça. Attendez. Hop là. Oh
merci Sinoc pour le sub-gift à Lucifred, merci beaucoup. Merci, merci, mais incroyable. Merci à toi pour ta générosité. Merci, merci, merci. Hop. Du coup, on va se lancer sur le jeu, parce que c'est quand même, vous êtes quand même là pour ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Alors, si. Là, on est ici, Sims 4. Au niveau des streams, donc, il restera le stream de demain. Donc, demain, on sera sur du Stardew Valley à 17h. On est quel jour? On est jeudi? Oui, on est jeudi. Du coup, demain, ça sera stream sur Stardew Valley à partir de 17h. Samedi, pas de stream comme d'habitude. Dimanche, normalement, il devrait y avoir stream. Mais comme du coup, je monte dans le nord pour ce week-end, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. En espérant que j'arrive à l'heure. Sinon, on se retrouvera du coup mardi. Voilà. D'ailleurs, attendez, mais le September, il se termine quand? On est le combien? On est le 26? Ah oui! Ah oui, 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 il se termine... Ah bah vous savez quoi? Exceptionnellement, on streamera lundi. Exceptionnellement, on streamera lundi parce que si jamais vous voulez faire péter les scores, jusque pour avoir les 500 pour le saut en parachute, et bah sachez que je streamerai lundi exceptionnellement. Si je reçois un message, je lis, c'est moi. Oh, tu commandes quoi du coup, Sandal? Trop bien. Hop. Alors, on va réactiver la musique. Oh, excusez-moi, je vous ai même pas mis le jeu. Voilà. On va réactiver la musique des Sims, même si vous savez que je n'aime pas spécialement la musique des Sims. Hop là. Quand on a des voix pour ma soeur, bah trop bien. Trop bien, trop bien, toi. En plus, c'est un petit cadeau qui peut être sympa. Franchement, c'est un petit cadeau sympa. Ça permet de découvrir en même temps, ça fait le calendrier de l'avant. En vrai, c'est plutôt cool. Bonsoir Louise, comment tu vas? Le second cœur de ma vie. Ah, carrément le second cœur? On est où? On est là. Je sais même plus où est-ce qu'on en était la dernière fois. Hop là. Ah. What the fuck? Ah merde, j'ai plus les mods. Attendez, j'ai plus les mods. Ah, ouais, je quitte le jeu, je reviens. Non. Option. Activer. Oh, quoi que ce soit. Ouais, si, on va activer les mods quand même. Peut-être pas. Non, tant pis. On va pas les activer. Par contre, on va activer le move object. Ouais. Bon, j'ai déjà des factures, 314. Oh là là. Eh, hey, ils ont cru que j'étais riche ou ça se passe comment? Donc. Est-ce que ça, je peux le déplacer ou pas? Je crois que oui. Alors, ça fait peut-être une trop grosse entrée, ça, quand même. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ici, ça serait la salle à manger. Ici, ça serait le salon. Ici, ça serait la salle à manger avec la cuisine qui serait là. Ici, on aurait un grand hall. Sûrement des petites toilettes ici sur le teco, là. Une salle de bain. Voilà, comme ça, ça réduirait un peu cette énorme entrée. Je pense que les escaliers, on va aller changer un peu de place et tout. Ouais, je pense que ça peut être très cool. Je pense que ça peut être sympa. Et ici, à l'étage, on fera tout ce qui est chambre. D'accord. La musique s'est arrêtée. J'essaie de récupérer un petit peu de sous-sous par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Et au niveau des toits, pour l'instant, c'était arrêté là-dessus. Et en vrai, c'est pas trop mal. Et là, on verra pour trouver une solution pour que ça fasse pas trop moche. Et coucou Vanilla, comment tu vas? En ce moment, je teste tous les tutos astuces pour terminer le défi de la faucheuse. Je vais tester ce soir celui de Isis. La poser sur Discord. Ok.
Bah, je sais qu'on m'a aussi envoyé des astuces. Apparemment, il faudrait être niveau 3 en jardinage et ça pourrait passer. Alors après, est-ce que ça fonctionne ou pas? Je ne sais pas. Mais ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. Apparemment, ça aurait fonctionné pour des gens. Donc voilà. Désactiver le débogage, le BBB. Alors ça, on l'avait désactivé, nous, quand on avait fait le gameplay. Un bug mardi sur l'événement, je l'ai commencé avant le stream et j'avais arrêté pour regarder le stream. Quand j'ai repris le stream, j'ai dû le recommencer du début. Ah ouais? Bon, on va voir, de toute façon, nous, là, ça va souvent nous le proposer. Alors, je mets ça. Ce que je verrais bien ici, comme c'est la cuisine qui va être là, c'est vrai que c'est un peu grand. Ah. Après, oh, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Peut-être que plutôt, ici on va peut-être fermer. Avec toi, on va faire ça. Alors je dis ça, oui mais non. Parce que mettre ici la salle à manger, c'est une... enfin le salon, c'est une bonne idée, je trouve. Non, pas ça le jeu. Après, je peux toujours faire une extension encore ici. J'ai surtout supprimé les fichiers cache du dossier EA User Settings et réparé le jeu. Les tâches ont fini par se valider. Bah, j'ai peur que quand tu supprimes le fichier User Settings, ça t'enlève pas les objets, tu sais, de récompenses qu'on avait eu la première fois où on avait eu des récompenses de connexion. Parce que je crois que ça enlève ça, non? Et coucou Tom, comment tu vas? Enfin, cela, je pense que le salon ça peut être très cool avec une grosse cheminée juste ici. En fait, bon, la salle à manger, on va peut-être la faire là alors. On va la faire là. Avec finalement la cuisine ici. On va faire la cuisine ici. Pour l'instant, je mets ces arches là, mais je vous le dis, hein, ça va pas rester comme ça. Voilà. Et ici, j'aimerais bien faire un garde-manger. Alors, techniquement, ce sera pas fonctionnel, mais ça viendrait réduire un peu l'espace. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et j'aime l'idée. Par contre, toi, l'escalier, on va venir le déplacer. Après, promis, on va jouer. Hein. L'escalier, je voudrais le doubler. Là. Et ici, là-dedans. Bon, je sais pas ce qu'on va y mettre, mais on va mettre quelque chose. Ou peut-être pas. Si, j'ai une idée. J'ai une idée. On va faire ça. Ici, on mettra une arche. Et je pense qu'on mettra l'arche de Pascali. Celle-ci. Voilà. Et en fait, là, ça sera la porte pour qui mène à l'arrière du terrain. Après, on va peut-être rajouter un petit peu de... Comment ça s'appelle ? Cela, c'est quand même extrêmement plat. On essaiera de rajouter un peu de... Ah, je sais plus comment on dit ça. Ah, je peux y arriver. Eh ben, Yen, c'est plus. De relief, voilà. Et coucou Titi, comment tu vas ? Oh, c'est une cerise. Ouais, alors, je suis en train de manger un paquet de bonbons. La journée était très stressante. Le rendez-vous avec le banquier était stressant aussi un petit peu. Je vous cache pas qu'il y a une légère déception, une petite pointe de stress, parce que comme il m'a dit que ça pouvait être un peu ric-rac et du coup il allait tout faire pour que ça passe. J'avoue que je suis en train de... Mais voilà. Donc, du coup, j'avoue, le petit bonbon qui réconforte, ça fait du bien. Mettre un placard avec des WC aussi, ouais. Et coucou Anaïs, comment tu vas? Écoute Titi, ça va. Comme je disais, ça va, je suis un peu fatigué. La journée a été intense en émotions. Mais sans mise à part ça, ça va très bien. Alors, je vais mettre celle-ci.
Ah mais nous, attendez, on est en vie simple. Donc je ne peux pas. Et merci Sisu pour ton raid. Comment ça va tout le monde? Oui, Tiny Guys, j'ai testé la démo. J'ai pas testé le jeu à 100%, mais ouais. Coucou tout le monde. Et merci Loïc. J'ai vu. Alors dans Loïc, il y a ton sub qui est parti. Voilà. Merci beaucoup. Comment ça va les perruches? Comment ça va? Comment ça va? Hop. J'espère que vous allez bien. Et tous passé un bon stream. T'étais sur quoi, Sisu, ce soir? Ouf. Sisu, parti faire son année au resto. Attendez, c'est aujourd'hui même l'anniversaire de Sisu? Je croyais que c'était demain. Oh non, mais d'accord, c'est demain, j'ai eu peur. Alors, je suis très nul en date d'anniversaire. Mais je me souviens que c'était demain. Eh ben oui, bon bah écoute, j'espère qu'elle va bien s'amuser au resto. Ok, ok, bah des bisous à Sisourine. Bah du coup, est-ce que vous êtes bien amusés les gens en fait, en faisant un seul bâton, Ok, le faire un seul bâton, oui, c'est ce que je me souvenais. Bah c'est cool. Ok. Que fais-tu de beau? Alors moi ce soir, je fais le Génération Leader. Et on a déjà extrêmement bien avancé, puisque on est toujours à la première génération. Et regardez toute la thune qu'on s'est fait. Alors la ruine était déjà imposante. Mais voilà. Voilà ce qu'on a commencé à faire. Voilà. Alors faut savoir que moi de base, je suis que un constructeur. Je n'aime pas jouer avec le gameplay des Sims. Je n'ai aucune, mais alors vraiment aucune patience avec les Sims. Avec les bugs, etc. Mais voilà, je me suis un petit peu motivé pour passer au-delà et essayer de réussir un peu à faire du gameplay. C'est d'ailleurs une des récompenses du sub-goal, enfin du sub-tumber, puisqu'en ce moment c'est le sub-tumber, vous avez les promotions sur les subs, et en ce moment, dès aujourd'hui, il y a les sub-gifts qui sont offerts. Et bah du coup, voilà. Parce que là, le dernier qui me reste, c'est dans un peu moins de 160 subs, enfin un peu plus de 160 subs, pardon, un saut en parachute. Donc voilà. Et du coup, il y avait un des trucs, c'était faire un Génération Leader. Moi qui déteste le gameplay. Et ben me voilà servi. Donc voilà un petit peu toutes les petites news. Et merci Unicorn pour le sub. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors sachez que les subs de niveau 1 apportent 1 point, les subs de niveau 2 rapportent 2 points sur le compteur, et les subs de niveau 3 apportent 3 points. Et d'ailleurs, sachez que pour tout sub niveau 3 pris sur ma chaîne, la personne qui a un sub de niveau 3 pourra me demander une construction de son choix que je ferai en stream les dimanches soirs. Bon, juste me dire les packs que vous avez, ce que vous souhaitez, un petit cahier des charges, et je vous la fais en live. T'appuies sur la touche sub de ton clavier quand tu as sélectionné l'objet. Tout simplement. Et merci Cam pour le follow. Ouais. Voilà, on a un peu dépensé tous nos sous et de ce que j'ai vu. Ah, attendez, il faut que je range un peu. Hop là. Je range ça. Bon, les enfants, pour l'instant, ils vivent dans le couloir. Hein. Et bonsoir, ma cunette, comment tu vas? Et du coup, les objectifs du Génération Leader. Alors, le Génération Leader, c'est qu'en 5 générations... Alors déjà, Génération Leader, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous allez créer un personnage. Alors, pas spécialement laid, mais plutôt vraiment monstrueux. Vous voyez, avec des traits qui ne sont pas du tout humains. Vous voyez que ma Sim 7, elle est clairement pas humaine. Et en gros, le but, c'est qu'en 5 générations, on se retrouve avec un Sims lambda, si je puis dire. Pas forcément qu'il soit beau, mais juste lambda. Là, par exemple, il va falloir réussir à retrouver un visage qui soit pas du tout étiré. Comme ça, par exemple, ça n'existe pas dans la rue, avoir un visage aussi déformé. Et encore, je ne l'ai pas trop déformé. Vous ne la voyez pas, mais vraiment, elle a un corps qui est extrêmement bizarre et déformé. Voilà. Donc, littéralement, c'est de revenir sur un Sims classique en 5 générations. Le plus dur, c'est d'enlever la peau verte, parce que généralement vous mettez peau verte, peau rouge, peau bleue, enfin qu'importe, mais le plus dur généralement c'est ça à enlever. Et alors moi j'ai une chance monstrueuse, c'est que mes premiers bébés ont directement perdu la peau verte. Et ça, pour ceux qui ont fait la Génération Leader, c'est super dur. Vous devez commencer avec 0 Simfus, vous devez commencer sur un terrain
en ruine. Il faut savoir que c'est un challenge à la base qui vient de NS, donc si jamais vous voulez aller voir ses règles, c'est sur sa chaîne, et je crois que même Sissou l'a fait, ce challenge-là, donc voilà. Ils ont un toit, ils vont pas râler, exactement. Et on a le droit à faire que deux grossesses par génération. Voilà, donc là, la première génération. Et en fait, à chaque fois, vous devez sélectionner après le bébé qui deviendra adulte, le premier qui deviendra adulte et qui sera beau, enfin, entre guillemets, le plus beau de tous ceux que vous avez, et ben du coup, enfin, beau. Comment dire, c'est même pas beau, parce qu'en réalité, c'est pas réellement ça, c'est plus qui a le moins de traits ressemblant à la mère de départ. Voilà. Par exemple, vous pouvez constater que lui, visiblement, il a pas l'air content. Il a dû sûrement récupérer les sourcils de sa maman, et visiblement, la bouche aussi, parce que quand il sourit, c'est vraiment bizarre. Et voilà. Alors que lui, il a plus dû prendre du côté du père. Donc voilà. Voilà, je vous ai fait ça vraiment de manière très rapide, hein, mais voilà. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Tiens, va prendre ta douche. D'ailleurs, j'aimerais que tu nettoies, parce que j'en ai marre d'avoir de la moisissure chez moi, alors j'ai enlevé le trait de terrain. Ah, je peux pas? Bah écoute, va te doucher. Ça veut pas? Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Alors, pourquoi est-ce qu'elle peut pas? Ça tease the question. Est-ce que c'est parce que je l'ai mis dans le mauvais... Bah non. Sinon, je la mets comme ça. On peut voir la matriarche. Alors la matriarche, c'est elle. Elle s'appelle Brocoli. Voilà. Parce qu'on trouvait qu'avec sa coupe de cheveux verte et son corps, enfin, ça fait vraiment une tête de brocoli. Est-ce que la maison doit être aussi laide? Alors la maison, quand vous devez commencer, ça doit être une ruine. Voilà. Et vous, une fois que vous emménagez dans la ruine, vous enlevez tous vos simflouz, vous partez avec zéro simflouz, mais dans cette ruine-là, et vous devez vous débrouiller avec ça. Et vous devez bien sûr la rénover. À la fin des 5 générations, la maison doit être rénovée. Ah non, regardez, on a encore le truc de la faucheuse, là. Ah, attendez, parce que qui s'ils vont faire les bambins encore comme bêtises? Lui, il est pas très content. Il veut aller faire pipi. Ah, j'ai pas acheté de pot. Attendez, on va leur acheter un pot. Mais n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de NS. Vous tapez Génération Leader NS. Et en fait, c'est elle qui a créé ce challenge-là. Donc, vous avez toutes les règles de tout ce qu'il faut faire. Parce que là, je vous ai pas dit toutes les règles, il y a quelques petites informations à savoir. Voilà. Enfin, on va vendre. Le fruit poubelle aussi. Alors, on a dit un petit pot pour les bambins. Alors, pour soi un peu plus roleplay, je vais mettre ça. Un pot de chambre. Pour ça, les ceux qui ont des bugs d'événements... Ah oui, bah moi je veux bien, parce que moi j'ai eu des bugs d'ailleurs. Attendez. Voilà, attendez, Sinoc, j'ai pas vu. Sinoc, elle l'a mis où? Attendez. Je vais peut-être arriver un peu haut. Pour ça, les ceux qui ont des bugs avec l'événement de la faucheuse, astuce de Isis qui est sur le code de mes sources, fonctionne. Oh! Attendez, je vais regarder ça. Discussion Sims. Oula, alors attendez. Pour ceux qui ont des bugs, voilà, lancez votre jeu avec... Avec le BBB, ensuite, la configuration décocher le débogage réalisé, fermer le jeu, et dans le dossier Mon PC, Documents et Trucs, déplacer tous les modes et le fichier dans un nouveau dossier, dans le dossier Documents, machin, déplacer le nouveau account package vers un dossier de sauvegarde sur votre bureau. Ne le supprimez pas de votre ordi. Ouvrez l'application IAP et réparez votre jeu. Relancez votre jeu, vous devriez avoir vos quêtes. Attention, il faut recommencer du début. Finissez la quête et récupérez vos récompenses. Fermez le jeu, remettez le premier account, machin, machin. Ok, ouvrez votre jeu, vous devriez avoir maintenant toutes les récompenses, y compris celle du Happy Home et les nouvelles. Ok, bien faire une backup. Ok, bon, bah écoutez, je ferai ça après le live. Mais merci du coup, si ça fonctionne, c'est trop bien. Et merci Cassandra pour le follow. Apparemment, le jeu Moonstone Island est un mélange entre ACNH, Pokémon et Stardew Valley. Je crois que j'en ai un tout petit peu entendu parler de ce jeu. Mais alors, pour le coup, je sais même pas à quoi il ressemble. Attendez, je regarde. Ah oui, oui. J'ai vu passer ça. J'ai vu passer ça sur Twitter. J'ai vu passer. Merci beaucoup, Unicorn, pour le sub-gift à Alouette. Merci beaucoup. Il ne fallait pas, mais merci.
Hop, tiens, va essayer de faire pipi. Allez sur le pot, je peux pas. Nécessite aide pour le pot. Voilà. Ah ok, il peut pas y aller tout seul. Mais ils sont en train de se pincer, mais quels enfants horribles. Quand même le rendre propre. Alors vous devez aussi être en durée de vie rapide. Alors le père est parti bosser. Lui il va aller faire pipi. Non, c'est celui qui est en train de faire pipi là, non? Oui, c'est lui. Après on va lui faire prendre un bain. Lui il fait quoi? Lui il est là, ça va, il est en vert, donc ça passe. Non, il va tacher la maison. Ça, c'est pour ça que je déteste les bambins dans les Sims. Ils passent leur temps à tacher la maison. Après, vous me direz, ils ont pas de jouets. Attends, on va leur mettre un petit jouet. Et coucou Zéminette. Toujours pas de deuxième bébé en route. Bah écoute, on a déjà des jumeaux, alors je pense pas qu'on va faire un deuxième bébé. Mais ça coûte cher en fait. Ah, alors, je pense que mettre cet ours en peluche est plutôt une bonne idée vu la gueule de la maison. On va mettre les petits cubes anciens qui sont là. Voilà. Lui, il va aller là. Et toi, bah, tu vas aller jouer avec les petits jouets. Empilé. Forme empilée. Parfait. Hop là. Voilà, c'est bien. Voilà, j'aurais jamais été aussi content que mon bébé... Enfin, que le bamba fasse caca. Dans un pot. Tu as vu le dernier épisode de Gata? Non, je l'ai pas encore vu. En fait, j'ai clairement pas eu le temps. Quand je vous dis, je suis sorti du boulot, j'ai rendez-vous avec la banque. Ça dure un peu plus d'une heure. Le temps que je devais faire 2-3 courses, je suis rentré chez moi, j'ai pris ma douche et puis bah, j'ai lancé le stream. Donc ça a été mouvementé. Ça donne-lui un bain parce qu'il pue. Moi, ce serait marrant de te voir sourire avec toi. Bah attendez, parce qu'après, il y a encore 4 autres générations à faire. Hein, donc à tout moment, j'ai des triplés à un moment donné. Voilà, alors après, toi, tu vas essuyer ça. Tu vas... Elle peut pas nettoyer le pot? Non, visiblement pas. Par contre, toi, tu pues. Alors, va te doucher. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant dégueulasse, là? Il vient te teps devant tout le monde dans le plus grand des cas. Ah non, il a fait caca dans sa couche. Ah, génial. Coucou, Queen. Coucou, Pangaming, pardon. Excuse-moi. Tu as vu mon jugement? Je l'ai vaguement vu. Vraiment, j'ai clairement pas eu le temps. Je suis désolé. J'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui. Mais j'ai vu que tu m'as envoyé un message. Je regarderai ça correctement tout à l'heure. Oh mon dieu, le bébé. Non! Et pourquoi tant de haine avec ces bébés? Prendre les restes. Alors, attendez, normalement, il y a des restes. Alors, ils ont pas l'air d'avoir pourri, normalement. Je les mets là, comme ça les bambins vont pouvoir les manger. Tu vas faire prendre une portion. Toi tu vas faire prendre une portion. Et toi tu vas également prendre une portion. Tu vas ajouter de la glace. Et après tu vas ranger. Par contre dépêche parce que en fait, ça va périmer en fait. Je sais pas pourquoi je sens que ça va périmer. Avant qu'ils viennent manger. Oh putain ça va périmer. Voilà. Normalement, là, avec un peu de chance, si je fais réouvrir, avec un peu de chance, ça a dû réinitialiser le truc. Yes, c'est bon. Oh, la chance que j'ai eue. Mince, j'ai pas de bouteille. Je vais aller en chercher une d'ici quelques minutes. Est-ce que ce maudit bambin peut aller manger? Ou non? Mais... Mais elle est ravagée, la mère. Mais... Non, j'ai pas réussi encore. Du coup, il a été mangé ou pas, l'autre, là? Mais il va manger parce que t'as encore faim. Ah, il est en train de manger. Elle est totalement ravagée, la brocoli, là. Elle est très tendue, bah tu m'étonnes. Tu sais. Ah
Ah oui, elle est tellement tendue que je peux même pas faire à manger, enfin faire une toile. Ok. Même niveau 1, c'est censé marcher. Il y a un bug avec le BBB qui même désactivé empêche la validation de cette étape. Ok. Là. Vraiment, cette maison, c'est une porcherie. Mais si t'es fatigué, va dormir en fait. À un moment donné. Voilà. Et hey, bonsoir Maddy, comment tu vas? Ah, c'est bien. Marie a ramené un peu d'argent. Non, elle est trop tendue, très bien. Très mal à l'aise. Bah écoute, nettoie la maison. Bah tu te plains, mais tu nettoies pas. Alors, je crois que ça me fait rire parce qu'en fait, il n'y a pas de poubelle. Donc elle va jeter ça par terre. Ah non, il y a une poubelle là. Voilà, nettoyer. Mais il faut te décocher, ouais. T'as des arbustes dans la maison? Ouais, j'ai pas fait exprès. Mais au pire, ça rajoute un petit peu de réalisme, comme quoi la maison, elle est en cours de rénovation. Alors non. Oh my god. Tu veux pas aller dormir? Par contre, il y a un des gosses qui vient de se réveiller, non? Va dormir. Oh, il a été faire un câlin à son papa. Bon, ça à la limite. Allez, mais bon, va te coucher. Toi, t'en es où, toi? Ouh, lui, il est dans un mauvais état. Prendre les restes. Prendre les restes, tu vas aller prendre un bain. Voilà, et tu vas aller faire dodo. Comme ça, tout le monde va dormir, ça va avancer le temps plus vite. Mes sims sont divorcés, les gars, s'est fiancé avec sa maîtresse et il a vieilli. Maintenant, il est, c'est un petit vieux. Ah oui. Eh ben... Merde, il mange un truc périmé. Bah, il va être malade. Oups. Bien, merci. Je retourne dans mes Sims et j'ai terminé la première semaine de défi. Trop bien, t'as pas eu de bug? Ça, c'est cool en vrai. Ouh, célébrer l'anniversaire de Ravi en organisant sa fête fantastique d'anniversaire. C'est déjà leur anniversaire aux jumeaux? Ça, c'est bien. Ils commencent à me casser les pieds. Ça va vachement vite. Ah ouais, Ravi dans 0 jour, et bah dans Tortique la même chose. Et bah tant mieux. La chanson des sorcières dans la tête, As the Witch's Road, bah c'est pareil, je l'ai en tête. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux pas aller dormir? Il veut pas, il a dû faire un cauchemar. Ah, il y a le monstre sous le lit, c'est peut-être pour ça. Le bébé, même enlevé, faisait des bogages organisés, donc le jeu prend pas en compte le... ok. Il faut décocher la case et réparer son jeu en enlevant le fichier. Bah ouais, j'ai vu ça, merci beaucoup d'ailleurs, Isis. Merci beaucoup. Je ferai ça après le live pour le coup. Mais en tout cas, merci beaucoup. Après, comme ça vient, le bug vient potentiellement d'un mode. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui ont ce bug là, même quand ils n'ont pas de mode, mais bon. Du coup, tu vas faire l'événement chaque mardi en stream, ouais. Avant la réno des mondes, ouais. Mais du coup, tu fais quoi? T'attends que la pauvre, elle est extrêmement tendue quand même. Réveil difficile, bye. Ah oui, non, mais je me doute. Hein. Je me doute. Hein, ça devait mettre une poubelle dehors. Mais les voisins, arrêtez de venir chez moi, là. Vous avez trop cru, c'était la teuf. C'est cool, ça fait patienter. Bah oui, là, ça fait patienter parce qu'on n'aura rien normalement. Jouer aux Sims pendant 24 heures. Quoi? En fait, je trouve ça débile, ces récompenses-là. Parce qu'en vrai, elles se réinitialisent à chaque fois qu'on joue. Jeter. Non. Mais non, mais j'ai mis... Oh. On n'est pas sur la plus fut-fut du moment, là. Hein. Ouais.
Il dort. Ils en sont où, eux? Mais toi, va dormir, là, au lieu de nous casser les pieds, là. Manque de relations provoque les peurs et la solitude. Encouragez votre Sims à nourrir ses relations et apprécier sa propre compagnie. Oui, mais enfin bon. On ferait pas un élevage. Exactement. C'était un petit peu étrange comme bruit. Hop là. J'essaie de faire découvrir la série à mon copain. Ah bah, moi la série Agatha, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai vu que les deux premiers épisodes et vraiment la série, elle est très très cool. J'aime beaucoup la vibes. Ah, c'est bientôt l'anniversaire. Thomas a l'impression que cela est une dernière, qu'il n'a pas fait des choses romantiques avec sa moitié. Oh, il me fait de la peine. On va essayer de faire en sorte. Il est insatisfait. Bah oui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de... Comment ça s'appelle? De quoi on va la réveiller? Mais si on la réveille, elle va pas être contente. Elle est très tendue. Je peux pas faire crac-crac pour te détendre? Je crois pas. Ah, c'est Brooke qui a vieilli! Merde! Ah! Ok, Brocoli, elle a vieilli. Bon, elle est juste devenue adulte. Bah, du coup, madame. Voilà. Ah, ça fait d'ailleurs. Hey, coucou Fleur, comment tu vas? Ouais, mais bon, en fait, ils ont rien pour préparer le truc. Ouais, déjà, elle vieillit. Bah oui, en fait, on est en période de vie courte, donc ça va vite. Relation. Rompre. Mais on va pas rompre. Rompre. On s'est jamais marié. Attendez, on va se marier. Plus de choix. Se marier immédiatement. Il va jamais accepter, je pense. Oh si! Voilà, comme ça on va un peu se rapprocher. Waouh! T'as vu le mariage tellement beau? Il manquerait plus que le gosse derrière, vous savez, il il jette des trucs au sol. Magnifique cérémonie, bah bien sûr. Oh, c'est mignon. Yes, voilà. Quand même qu'on essaye un peu de les faire améliorer leur... Quoi? Hein? Bah attendez, il y a un bug. Hein? Bah attendez, c'est pas possible. What? Attendez, il y a eu un bug. Ça a réinitialisé leur relation amoureuse. C'est quoi ce bordel? Bah. Moi je suis pas d'accord. Amour, affection. Offrir un cadeau romantique. Tiens, donne-lui un axolo. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, ça a mis embrassé par... Bah oui, ça a réinitialisé leurs trucs. C'est pour ça que je pouvais pas faire crac-crac. Du coup, ça veut dire que... si je... Bah ouais. On va pas dormir. Faire un câlin dans le lit avec... Voilà. C'est super bizarre. Ils ne sont pas séparés à un moment, la barre descend. Mais comme la barre d'amitié reste, il n'a pas parlé de tes amis depuis longtemps. Oui, mais enfin, de là à revenir à zéro quand même, faut y aller.
Mais what? S'embrasser, se réconcilier. Ça, ça a marché. Elle est tendue en plus. Ah si. Ah. C'est bon, ça réaugmente. Amour, intimité physique. Demander de faire un câlin. Tu as tous les packs? Ouais, j'ai tous les packs, tous les kits, tous les add-ons. Non, les pauvres. Embrasser sous le gui. C'est un peu force de proposition, toi aussi, là. C'est où? Oh my god, ils ont encore tout taché. Ça va être complicado quand même, hein. Ça va être compliqué. Intimité physique, embrasser sous le gui, embrasser tout court. Ah, ça va accepter quand même. Quelle coquine. Ouais, on l'avait fait en live pour le coup ce sondage. Voilà. Alors, merde, la fin. Bah oui, forcément. Attendez. Ouvrir. Alors. Plus de choix. Manger un repas rapide ou à boire. Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre un biscuit au fromage. Et tu vas pas les manger. Stop. Voilà. Et toi, on va le mettre au sol. On va le mettre dans son inventaire. C'est lui qui a faim. Raté, lui il dort. Il a faim quand même. Donc, tu vas le manger. Hop, manger les biscuits au fromage. Ces enfants auront été élevés, bien sûr, avec de la nourriture bio, non transformée, issue de l'agriculture durable et de proximité. Et coucou Tam4, comment tu vas? Par contre, on va peut-être le réveiller, lui, parce qu'il va peut-être finir par crever la dalle. Voilà, en plus, il pue. Très simple. Exactement. Coucou Claire, comment tu vas? Non, excuse-moi, Tam4, non, excuse-moi. J'avoue qu'en fait, il y a pas mal de messages dans le chat, là. Et ce soir, je suis pas mal fatigué. Donc, je sais que tu fais. Viens, aussi, viens. Ah ouais, merde. Mais c'est vrai que t'en as mis plein, en plus. Bah, excuse-moi. Mais oui, c'est vrai que t'en as mis plein, en plus. Bah, excusez-moi si j'ai pas vu votre message. Je me suis rendu compte. J'avais zéro cardio en revenant du kiné. Ah oui, ça, je peux comprendre. Qu'est-ce que je vous dis pour le sondage? Le truc post-apo et le truc un peu genre en mode les Sims médiéval un peu, là, mais version moderne. Hop, intimité physique, embrasser. On va essayer d'un peu améliorer nos trucs là parce qu'on est vraiment nuls. MDR, on est devenus bons amis. Moi, c'est pas ça que je voulais. Hein. Oui. Ouais, 490, ça peut être pas mal. Ouais. En gros, je suis allé au kiné pour ma cheville gauche, mais comme mes genoux sont d'un chevreuil. Naître et bâcher d'exercice pour toi en français. Ok, je vois un peu le genre. Ah! Ah! Bah attendez. Allez, hop, des sous pour Mister C. Pas déconner. Et ça, on va l'enlever. Je crois qu'on va pas trop tarder à arriver en hiver en plus là dans les Sims. Ah oui, alors là ça n'était pas moche.
tâche de mulet, toi. Oh oui. J'allais me casser la figure en sortant. Merci. J'ai le crime. Ouais, j'avoue, le crime était pas mal aussi. En fait, un peu tout ce qu'il proposait, hein, c'était vraiment cool en vrai. Ah, elle est très satisfaite. On va peut-être faire un petit pipi. Pourquoi il va pas bien, lui? Ah, bah vas-y, oui. Bah non, mais donne-lui un bain. Oh, il est triste. Il est triste parce qu'il pue. Et ça me veut, elle. Félicitations pour votre mariage. Ah bah voilà. Par contre, on peut pas avoir des cadeaux pour le mariage? Moi, je veux bien. Hein. Le pauvre, il pue. Pas t'en occuper. Éducation. Non, pas éducation. Satisfaire les besoins du bambin. Donner un bain tiède, voilà. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'ils vont grandir, là, normalement. Donc, ils n'auraient plus trop avoir besoin de m'en occuper. Allez. En tout cas, c'était cool. On se demande à quoi ils pensaient de nous faire un pack mariage alors qu'il y a de bonnes idées. Mais c'est ça. Il va où? Et je lui ai demandé de faire prendre un bain au gosse et il en a rien à faire. Et il pue, va lui faire prendre un bain. Non, elle est pas stricte. Il pue. Te donne des graines de saison que tu peux vendre. Ah ouais, bon c'est un peu... On a vu mieux quand même. Mais attendez, c'est bugué, c'est pas possible. On est bugué. On est en rouge, en amour, alors que littéralement, on s'est rabiboché. Mais je comprends pas. C'est bugué, là, on est d'accord. On n'a rien qui fait que regarder très proche de ses amis, Valémie, profondément amoureuse, a dormi dans les bras de Thomas, profondément amoureux. On est d'accord que c'est buggé. Mais, vous avez vu? Je comprends pas. C'est chelou. Relation. Pour ça, je comprends pas. Attendez. En plus, j'ai l'impression que plus ça avance, plus on perd. C'est-à-dire que c'est les Sims. Ouais, c'est buggé. On est d'accord, hein. Et coucou Rachel, vous en savoir, j'arrive pas à trouver le mode de la nouvelle à trouver un mode de nouvelle recette en cuisine. Alors là, je peux pas t'aider. Hein. Je n'ai quasiment aucun mode sur mon jeu. J'ai juste des modes de construction et des modes de gameplay. J'en ai pas du tout. Là, pour le coup, je pourrais pas t'aider. Désolé. J'ai même bug, mes Sims perdent la barre toutes les minutes. Non mais oui, non mais là c'est fou quand même. Ils vont finir par divorceur, j'ai rien demandé. Mais va dormir, c'était fatigué en fait. Merde, il a faim lui. Attends, toi, va manger, c'est une bonne idée. Tu vas ici prendre à manger ou à boire. Tu vas biscuit. Animaux. Et pas pour animaux. Tu annules. C'est juste ça, c'est pour donner à ton enfant. Voilà. Et ça, après, tu vas manger. Non, pas cuisiner. Ça sert à rien. T'es en hors réseau. Plus de choix. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Deux choix. Donc si elle recommençait à vouloir débrancher le câble, je vais la punir, je vais l'enfermer dans le couloir. Hop là. Ici, je cherchais ça depuis le début. Ok, c'est pas toi, toi. Manger. Mais voyez, regardez, ils augmentent eux-mêmes leur truc d'amour et en fait, bah ça marche pas. Mais là, vous voyez, c'est revenu normal. C'est chelou. Ouais, c'est revenu à zéro. Depuis Love Struck, il faut vraiment entretenir la flamme et dès qu'il y a une petite action négative ou un trait de caractère souhait qui plaît pas à l'autre, ça passe en rouge ou ça descend de fou un enfer. Ah ouais, c'est nul. Bon, en même temps, avec les deux Sims, j'avoue, là, c'est un peu... La tronche qu'ils ont, c'est un peu compliqué.
Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? C'est ma fille, techniquement. On pourrait discuter. Appel pour discuter et répondre. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas aller dormir, lui? Il va dormir. Il a répandu des ragots juteux carrément. Merde. Il a fait des cauchemars? Bah, bingo. Vas-y, lui lis une histoire pour qu'ils s'endorment et après tu vas dormir. Mais faut qu'ils aillent travailler demain, les parents, quand même. Ah putain, quand il n'y en a pas un, c'est l'autre. Oh non, il a grandi! Alors, attention. Attention, attention, on va voir quelle tronche ils vont avoir. Alors, il est joyeux, très bien. Ah, et il va vouloir devenir quoi? Polyvalence, corps et esprit, pro des soirées pyjama, capitaine de la récré, génie créatif. Je pense qu'on va mettre génie créatif. Vous faites combien de fois? D'accord. D'accord, Scorbonne. J'avais pas compris, mais ok. D'accord. Eh, il y a vraiment des gens chelous, hein. Ah, attendez, il ressemble à quoi, lui? Oulala. Oulala, il a des joues. Attendez, il ressemble à quoi? Ah, mais c'était supposé celui qui allait être beau, qui allait sauver la génération. Oh my god, oh le pauvre. Ah non, non, c'est pas possible. Hein. Ah, mais on dirait qu'il va manger notre âme. En plus, il joue dans, dans les poubelles. Ah, mais l'autre, ça va être pire. Et fais pas ça. Triste. Oh, anniversaire oublié. Il me fait trop de la peine. Bah, mon pauvre, avec ta famille bancale, bah, tu m'étonnes. Il a plus de lit. Attendez, faut qu'on le mette à nouveau lit. Ah, j'attends que le deuxième grandisse. En vrai, je vais le faire monter à l'étage. Hein. Bon, même si l'étage il est pas encore fait, on va lui mettre un petit lit. Va dormir. Ah bah voilà, le deuxième a grandi. Du coup, lui il est sûr de lui et on va dire qu'il est faculté. Voilà. Bah, il va dire, ressemble à quoi lui? Mais c'est quoi cette manie de mettre des lunettes de soleil? Oh, finalement, il sera peut-être le moins moche des deux. On va aller les modifier dans le créer un Sims. Plus de choix. Modifier dans le créer un Sims. On va aller check ça. Voilà. Attendez, je reviens d'ici quelques minutes. Je reviens dans 2 minutes. Je vais juste voir ce que veut Noxy, je reviens. Et je vais me prendre ma bouteille d'eau. Heureux. Du coup, regardons un petit peu ces enfants atroces. Bon, pour mon challenge, je fais des âmes. Moi, c'est personne qui n'a pas besoin d'avoir petit ami ou enfant. Ça, ça me préoccupe de ma seule Sims. C'est déjà pas mal. Le conseil sur la carrière, j'avoue. T'as de quoi faire. Donc, ça, du coup, c'est notre petit ravioli. Ravioli, techniquement. Notre deuxième enfant, c'est lui. Ok, c'est Torticoli.
Alors, je crois qu'il a des yeux. Alors, il a des yeux un petit peu étranges. Après, bon, on est quand même juste sur la, la première génération, donc c'est pour ça. Hein. On dirait qu'il va manger notre âme. En vrai, en termes de vêtements, ça passe. Un folichon. Par contre, il a une bouche. Oh, le pauvre. Tenue habillée. On va juste changer ses chaussures. En vrai, on sait très bien qu'il ne sera pas réellement habillé, ce pauvre Sims. Donc, voilà. Tenue de sport. Ça passe. On va juste changer le haut. Je ne suis pas très fan. Voilà, à la limite. Pour dormir. Ah, par contre, pour dormir, c'est juste pas possible. Hein. Le haut, à la limite, pourquoi pas. Par contre, les nus. Ah, en chaussettes. Voilà. Pour aller à la... En fait. Voilà. Maillot de bain, ça passe. Temps chaud, ça passe aussi. Temps froid. Alors, temps froid, on va peut-être le mettre un... Oh, c'est trop joli, ce petit truc. C'est trop choupinou. J'aime bien. Voilà. Il fait peur que tu dois. Il fait un peu peur. Du coup, finalement, on irait peut-être avec Torticoli. Après, de toute façon, les deux sont moches, on va pas se mentir. Voilà. En tenue habillée. Ah, mais vraiment, l'automatisme des Sims. Et encore là, vraiment, j'y vais à l'arrache. Hein. La première génération, ça sert à rien de leur changer leurs vêtements. Ils grandissent tellement vite. MDR, mais respectez cet enfant. Ouais, ça passe. Alors par contre, à quel moment tu te dis... Ah bah c'est vachement intéressant, on va lui mettre des lunettes de soleil pour qu'il aille dormir. À la limite, on lui laisse ça, ça ira bien. On s'en fiche. Mais quoi? Mais quelle idée. Et non. Alors le collier, à la limite, on peut lui laisser. Et étant chaud, lui laisse, de toute façon, il n'aura pas le temps d'être en temps chaud. Peut-être qu'il, quand il sera ado, Ravioli aura une chance de se rattraper. Peut-être, oui. Allez hop, c'est validé. Est-ce qu'il y a de mon bon préféré là-dedans? Oh non, j'ai éclaté le paquet. Ok, bon. Alors. Tous leurs besoins sont en vert. Du coup, on va pouvoir un peu plus se concentrer maintenant sur les parents, parce que les enfants, ils peuvent s'occuper tout seuls. Alors, plus de choix. Améliorer. Ah bah non, on peut pas faire ça. Enfin. Non, pas améliorer. Bah tu dors, en vrai, on s'en fout. Quoi ? Tu vas pouvoir t'occuper tout seul. En revanche, les enfants, lui, il est vraiment dans le vert. Lui, un petit peu moins. Du coup, tu vas pouvoir aller manger. Sinon, ils peuvent manger tout seuls. C'est très bien. Et il me semble que... Ah, les enfants peuvent pas peindre. Merde. Oh, moi, je voulais déjà les utiliser pour... Bah, enfin, je voulais les utiliser pour qu'ils fassent de l'argent. Est-ce que vous savez si avec les enfants, on peut les utiliser pour faire de la thune? Ou pas du tout. Je crois que c'est pas possible. Regardez, c'est un enfant super sympa. Il jette les poubelles. Ah vraiment cet enfant? Hop là. Du dessin, ouais. Tu peux les faire tricoter. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord, bon il veut peindre, très bien. Ils peuvent pêcher et tricoter, ok. Ouais mais la pêche en vrai c'est pas très rentable, non? Enfin, j'ai pas l'impression. Bon il y a quelqu'un qui pleure. C'est l'enfant en haut. Ah non, il rêve, je croyais qu'il pleurait. Bête. Et niveau 3, ok, très bien. Vendre un coup, écoute, on s'est fait 160. Par contre, ouais, il faudrait que tu ailles dormir. Hop là.
Ah, ça déjà est un peu plus simple. Si les enfants récupèrent des grenouilles, tu peux les faire reproduire, non? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lui, il est plus dans le vert que lui. Lui va aller dormir, par contre. Va dormir. S'il y a école demain. Et tout le monde au lit. Bon, lui, il va se réveiller. Hop là. MDR. Il y a le monstre sous le lit. Allez. Sortik n'a pas réussi à communiquer avec le monstre sous son lit. On dirait que le monstre n'a pas envie de devenir son meilleur ami. Bah, tu m'étonnes. Vaporiser le... Voilà. Allez, réveille-toi, ma chère. Hop. Puis après, elle va aller manger, elle va clamser. En même temps, avec une maman qui est comme ça, moi, je peux comprendre que tu fasses peur. Hein. Genre, le gosse, jamais, il dort de sa vie. Va faire ça, va faire ça, et va t'amuser. Comment, je ne sais pas. Toi, par contre, tu vas me servir à quelque chose. Est-ce que tu pourrais pas aller te balader un petit peu et trouver des choses, notamment, à récolter? Qu'à faire avec ça? Jouer dedans, à part jouer, non. Ouais, les gosses font peur aussi. Hein. Leurs grands yeux, là. Il me dit, dans l'avantage, il veut tout voler, lui. Déraciner, récolter, bah non, c'est pas la saison. Ça sera un château plus tard, là, construit. Oui, Claire, exactement. Il n'y a rien à récolter. On voit pourquoi. C'est pas le monstre qui a peur et c'est pas le... Ah bah oui, non, mais c'est ça. Totalement d'accord avec toi. Poser la question sur les vers, d'accord. Fatigué, il est 3h du matin, il a école demain, je te jure. En plus, il est triste parce qu'on a oublié son anniversaire. C'est de la peine. Discutez avec Ravi, c'est bien, ouais. Discutez entre vous. Discutez avec les. Entre vous. Soyez vraiment frères jusqu'à la mort. Et après, vous pourrez critiquer vos parents parce qu'ils ont été des parents horribles. Hop là. Check un petit truc de mon côté. Hop. Attends, je check juste un petit truc de mon côté. Hop là. Parfait. Faut juste faire... Alors normalement, il faut faire deux grossesses, par génération. Après, on peut en faire qu'une, hein, si on veut. Mais moi, j'en ai fait qu'une et j'ai eu des jumeaux. Wesh, pourquoi elle met des patates à la pluche? Elle met toujours des patates à la pluche, ma Simset, elle est folle. En même temps, quand on voit son... quand on voit sa dégaine. C'est bien. Oh, c'est mignon, fais confiance à l'univers. Trait de caractère au top. Eh ben, fais confiance à l'univers avec des parents comme ça, mon pauvre. Ouais, mais en même temps, quand tu vois sa dégaine, exactement. Elle nettoie, étrange. Ok. Va prendre un bain. Elle lui a remis des tenelles à peluche. Hop là. Couleur à la queue touffue, un renard rôde autour de la maison. Cachez vos poules et vos œufs. Bah, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc comme ça. C'est quoi ces défis génération leader? Exactement, ouais, on est sur le génération leader. Et en vrai, on est qu'à la première génération et on a déjà réussi à faire tout ça pour la maison. Alors la maison va être améliorée, hein. Pour l'instant elle ressemble pas à grand chose, mais ça va être amélioré. Bon courage, hein. En vrai j'ai pas la force. Faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le gameplay, moi je suis un constructeur, absolument pas un gameplayer. Voilà, du coup là c'est un peu une torture pour moi. Allez faire pipi là. Ah non. Oh bah, ah bon, soit elle a pissé au boulot. Ok, ils vont pas à l'école les enfants là? Ah non, c'est à 8h qu'ils y vont. Ouais, dans les règles ça dit deux grossesses, ouais.
Il faut, dans les règles, même s'il y a des jumeaux, des triplés. Ah, je crois que c'était pas obligé, hein. Ça dit deux grossesses tolérées. Mais ouais, on peut en faire qu'une si on veut. On n'est pas obligé d'en faire deux. Hein. Et coucou, Anagram, quand tu vas? Ouais, on essaie de... Bah oui, oui. Écoute, je peux passer des jours à faire un terrain pour y jouer 5 minutes et dire ça saoule. Ah non, mais alors, moi, il faut savoir que je ne joue même pas sur le terrain. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait une rénovation des mondes. Donc là, par exemple, le terrain qui est là, ce château-là, c'est moi qui l'ai fait, par exemple. Voilà. Encore, c'est pas une de mes meilleures constructions. Ici, on a une petite maison uniquement avec le jeu de base et le pack d'extension via la campagne, par exemple, pour ici. Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait. On a là-haut... Ah, celle-là, j'aime bien la maison qu'on a faite ici. Hop là. Bien, bah, écoute, ça va très bien. Ah, par exemple, la petite maison qui est juste là, elle est plutôt stylée. Elle est quand même très stylée, même. D'ailleurs, je pense qu'on va rajouter à notre maison, enfin notre château, une serre. Et même sûr et certain, on va rajouter une serre. Parce que je trouve que ça rendra trop bien. En plus, avec les packs d'extension, avec les packs et tout, et les kits qu'on a, on pourrait faire un truc super sympa, genre ici. Genre là, ça va être la cuisine. Et genre là, on pourrait faire une serre. Je pense que ça va être une bonne idée. Comme ça, on pourrait gagner des sous. Je pense que c'est une bonne idée. Après, on changera les fenêtres, on changera les portes et tout. Mais on n'a pas de sous pour l'instant. Ça fait toujours le taf sur les constructions anciennes. Bah ouais. Vous savez quoi? On va déjà essayer d'en construire une. On n'a pas beaucoup de sous, mais bon. Ah, ça m'emmerde, ça fait la même taille. Ah oui, j'ai plus de 6 pouces. Et bon, faut quand même que ce soit un minimum grand pour que ça passe, quoi. On a plus de sous. C'est quoi, ça, on va le vendre. Même si c'est un peu bête de vendre, on va le faire quand même. Oh, mais attendez, même les enfants, ils tachent le sol. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses horribles? J'avais pas vu, ouais. Et l'horrible personnage. Voilà. Alors. On va mettre cette arche là aussi temporairement. Ah mais faut que j'achète accessoirement des trucs pour mettre les plantes dedans. Sauf que ça coûte cher, je crois. Bah bingo. C'est là-dedans en plus. Ah, ça coûte pas si cher que ça. 35 ça. Ah voilà, il n'y a plus de sous. Ça, ça coûte combien? Graines de légumes débutants. De fleurs débutants. Graines débutants. Fleurs. Etc. Attendez. Quand on s'offre des... Les roses, ça coûte cher, je crois. Ça va, Sinoc. T'as vu comme elle est médisante avec moi? On est tombé à zéro avec... en amour, je suis dégoûté. Les gosses, ils peuvent jardiner? Je crois que oui. Quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Que dois-je faire pour commencer à me préparer? Comment s'entraîner à te cacher? Ou d'une ninja. Influence le contrôle de ses émotions. Genre, on va te cacher, c'est horrible quand même. Mais les enfants, ils... Ah oui, les enfants, ils ont... Voilà. Mur de notification. On va tout supprimer. Yes. Hop. Vient de devenir comme une connaissance avec Bushi. Non, mais on parle d'un renard. Ouais. Il est pas supposé être allé au taf, lui? Mais ça, c'est un plan de... ça, c'est une plante poubelle. Le lit du bambin. Ouais, faut que je l'enlève. T'as parfaitement raison. La gagne 131 Simflous. Ok. Dans quel état, toi? Vous voyez, d'un coup, quand on a plus de bambin, voilà, puis elle remet des mandales à cette pauvre peluche. Non, mais je pense que ça va être la miniature de la vidéo. De la rediff. Quimba.
Vas-y, remets-lui une. Ah bah non. Bon, ça devrait le faire. Tiens, on va peindre du coup. Toile classique, grande toile. Merde, j'ai de ça par terre. On va en profiter, il n'y a pas les enfants. Taxi, on fait beaucoup de thunes. Allez, courrier à télétribuer. Je suis sûr que je vais devoir payer masse thunes encore là. Prendre le courrier. Allez. Oh, en plus, elle est jolie la peinture. Vendre. Je fais 200 simflouzes. Alors, on a eu quoi? On a eu ça, on vend. Oh, pas mal. Ça, on vend. Ça, on vend. C'est quoi? Pas de facture. On peut aller payer? J'ai l'impression. On peut pas aller payer les factures. Vous le voyez. Afficher information. Rien d'ici. Oh non, je ne veux pas Salvador Trucmuche là. Parce les pieds lui. Bah écoutez, toile non pas toile abstraite, tu vas nous faire une petite toile classique. Hop. Pas mais pas les sous pour les factures. Peut-être pas. Bah normalement c'était 300 donc techniquement j'ai les sous. Mais là vraiment pas. Alors, niveau plantation, on peut rien récolter, on peut rien prendre, il n'y a pas de graines là pour l'instant. Donc je vais acheter des graines, hein. J'ai pas trop le choix. Ça m'embête un peu que ce soit acheter des graines. Pour débutants, l'eau de graines de fruits, l'eau de graines de fleurs, on va faire des fleurs je pense. Et des légumes, allez. Là, vous allez dire, mais tu manges pas de légumes, pourquoi tu fais ça? Je pense que 10K, comme ça, tu pourras faire un coup, une pièce. Ouais, je pense aussi. Après, me connaissant, 10K. Oh, on a eu un bégonia, hein, j'ai cru qu'on avait une rose. On va demander, hé. Planter. Venez, on essaie de replanter ça. Ça, ça... Eh, avec un peu de chance, ça peut fonctionner. Alors, moi, je crois pas des masses, mais bon. Mais le mufli ça coûte pas cher. Eh si en vrai. Et le lys aussi d'ailleurs. Allez planter. Allez vas-y ma chère. Eh mais c'est rien. Bon ça marche toujours pas. Ça plante pas là-haut. Ah si ça peut. Mais par contre, elle là, va pas y arriver. Je pense que là-bas, ça va pas marcher. Faut la lumière, UV, par contre. J'ai eu trop peur, je me suis dit, il lui arrive quoi? Il lui faut vraiment de la lumière? Ah ouais? Attendez, ça, à la limite, ça peut se faire. On va mettre celui-là. Non, t'es pas obligé d'avoir de lumière, hein, mais attends, on va en mettre une quand même pour se geler. Mais non, t'es pas obligé d'avoir des néons ou quoi que ce soit. Hein. Ah, faut qu'ils fassent leur devoir. Bon, par contre, ils sont pas très... Oh là là, mais lui, il s'endort, le pauvre. Va faire dodo. Ah, le ça va dormir. Et pendant ce temps-là, tu vas... bah, je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas taper le... Ok. Tu vas faire un petit pipi. Ils me font de la peine, ces pauvres enfants. Faire ses devoirs, ça c'est quoi? Dessin fait à l'école. On va le vendre. Dessin fait à l'école, on va le vendre aussi. Et après, tu iras faire tes devoirs. Le pauvre, il est dans le vert. Il est dans le... Oui, oh, on n'a pas sauvegardé depuis le début du stream. On aurait pu avoir tout perdu. On aurait pu tout perdre. Où lui? Il va faire ses doigts. Okay. Hop.
Ils sont vraiment dans des endroits où... ils habitent dans un endroit où ils ne vont rien faire. Ok. Il reste encore une heure de stream, ça va. Mais en effet, merci de me faire penser à sauvegarder. Attendez. Ouais, on va faire ça. Toi là. Et après, tu vas dormir. Non, Tic, il y a une dent qui bouge. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc là aussi. Vous voyez vraiment quand ils ont plus les enfants à s'occuper. Ah mais c'est vrai que lui il est méga haut au niveau des... Comment ça s'appelle ? Du jardinage, j'avais oublié. Plante ça. Plante ça. Parfait. Perfect. Ok. Les devoirs sont terminés. Bah, c'est parfait. Les pauvres, ils sont dans un piteux état. Oh, c'est mignon, les parents, ils regardent. Lui, il vit dans combien de temps? Parce que j'ai l'impression qu'il est immortel, le gars. Ah, il va pas tarder à vieillir. Oh, j'avais pas vu. Regardez, il va devenir vieillard. Il va devenir une personne âgée dans pas longtemps. Peur d'être trompé. Oh, il me fait de la peine. Il a quoi dans son inventaire? Il a des trucs à vendre depuis 1000 ans, lui. Il a des trucs pourris, c'est quoi ça? Certificat de mariage. Oh, c'est mignon. Je vais mettre ça là. On va l'encadrer. On peut l'encadrer? Ajouter un cadre. Un cadre en bois. Bois foncé. Waouh, c'est dégueulasse. Comment il s'appelle le papa? C'est un Sims, c'est Thomas Watson. Les écouteurs, on pourrait les vendre aussi. OMG, comment ça OMG, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'on n'avait jamais regardé dans son inventaire. Hop, ça on va vendre d'ailleurs. C'est, en vrai, c'est un peu teuteux de vendre les lits parce qu'en fait, on va, dans la prochaine génération, on va faire d'autres enfants, donc bon. De la daronne. Ah oui, bah c'est brocoli. Du coup, la prochaine génération, c'est un garçon. Ouais. S'il veut. Je voulais demander si tu penses que je devrais approfondir notre amitié. Oui, si tu veux. Ça, en vrai, c'est les trucs les plus chiants qui ont été rajoutés dans les Sims. Genre, en bout d'un moment, on s'en fout, en fait. Mais ouais, prochaine génération sera un garçon et pas de fille. Ça y est, normalement, il n'y a pas d'obligation. Oui, ils se font quand même des gestes d'amour. C'est pour ça que ça m'étonne qu'ils soient à zéro à chaque fois. Ils peuvent faire crac-crac, du coup. Mais non, du coup, ils peuvent plus faire crac-crac. Parce que ça n'est plus proposé, puisque bah, on est genre à zéro en amour, alors que bah, ça n'a pas de sens. Oh mon Dieu! Va vaporiser, je sais pas quoi, là. Après, tu vas aller dormir, ma pauvre, là, parce que... Il veut aller dormir entendre les enfants. Putain, il veut toujours aller dormir. Oh, mais alors, lui, il va clamser, ce pauvre enfant. Va manger. Oh non, le frigo, il est cassé. Oh, j'ai trop le seum. Ah. Là, le daron va vendre la toile. Parfait. J'ai bien concerné le... J'ai tout désactivé. Ah ouais, je sais pas comment ça fonctionne. En fait, j'étais pas là au début du live. Je sais pas si tu en as parlé, mais ça s'est bien passé ton rendez-vous avec le... pour la maison. Alors, j'ai eu mon rendez-vous avec la banque. Alors, ça s'est bien passé, mais... C'est un petit mais. Ça va être un peu plus compliqué que ça pour avoir un prêt. Alors, en fait, on avait des estimations... Enfin, on avait fait des... C'est quoi ça s'appelle des simulations avec ma banquière, mais là c'est un nouveau banquier parce que ma banquière est partie en congé mat. Et en fait, elle avait un petit peu trop surévalué certains trucs. Donc du coup, ça va être un peu plus compliqué pour obtenir. Lui, il pense quand même que je vais l'avoir, hein, ça y a pas de souci. Voilà, c'est un peu plus compliqué que prévu. L'argent que je gagne par rapport à mon appartement, je vais devoir mettre la moitié de ce que je gagne pour faire un apport, pour
essayer de pousser un peu le truc. Mes revenus de stream vont être pris en compte, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et grâce à vous, j'espère que grâce à vous, grâce à vous, je vais pouvoir utiliser l'argent du stream pour demander un prêt, en plus de mon salaire, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, donc je savais que ça allait être un peu, ça allait être un petit peu, pas compliqué, mais un peu semé d'embûches, parce qu'on a quand même vendu l'appartement en 3 jours, trouver une maison la semaine qui a suivi. Donc bon, je me doutais qu'à un moment donné, il fallait que... Il y a un petit peu de difficulté. Ça aurait été trop beau si ça aurait été aussi simple que ça. Mais voilà. Mais oui, Anagram, j'ai réussi à vendre mon appartement. J'ai reçu aujourd'hui le compromis de vente. Après le live, j'aurai un peu de paperasse à faire. Voilà. Ils ne font jamais ce qu'on veut, c'est vrai, ouais, c'est ça. Les enfants ont grandi, ouais. Croisez les doigts, la maison a l'air super pour toi. Mais oui, c'est pour ça. Hein. Alors, les enfants sont moches. Alors là, quand il a les yeux fermés, lui, ça va. En fait, quand les deux enfants ont les yeux fermés, ça va. Finalement, c'est plutôt le brun qu'on va peut-être sélectionner. Parce que vraiment, le rouquin, il fait peur. D'ailleurs, ils grandissent dans combien de temps? Ils grandissent dans 5 jours. Oh oh bah, ce sera pas dans cet épisode-là. On va voir à quoi il ressemble. Elle va mourir de faim, elle. Réveille-toi, ma chère. Bah oui, tu as faim. Hop. Il s'est passé quoi? Oh, il s'est fait attaquer par des araignées. Pauvre enfant. Par contre, elle a quoi comme compétence? Parce que je pense qu'on va lui changer son métier, parce qu'elle rapporte que dalle en thunes. Elle est 6 en peinture. Je pense que le mieux, en réalité, ça serait qu'elle chope un boulot là, dans ce milieu-là. Hein. Je pense qu'on va changer son emploi. Un emploi. Ah oui, mince, attendez, il faut que je sorte de la maison. Ce qui est stupide, hein, parce qu'on la voit tout le temps répondre à son téléphone. Hop. Alors... Le hors-réseau n'est pas si hors-réseau que ça. Elle a trouvé un emploi. Alors, artiste. Parfait. Brooke doit se lancer dans l'activité humoriste amatrice en acceptant une nouvelle offre. Démissionnera. Oui, bah c'est bon. Voilà. Je crois que je me suis trompé, c'était pas ça. Non, je me suis trompé, c'était pas celui-là. Trompé de métier, c'était pas lui. Merde. Reviens là. Je me suis trompé. Oui, je me suis trompé, ouais, je sais. Je viens de voir. Hop. Oui. Peintre. Où est-ce qu'il est? Affaire, agent secret, astronaute, auteur, conceptrice, critique. Non. Il n'y a pas un métier en... Si, peintre, là. Parfait. Et des toiles pas commencées. Bah écoute, tu vas créer une toile tout de suite. Oh, mais cette maison ne ressemble plus à rien. Attendez les enfants, vous allez me servir à quelque chose. Toi, tu vas aller faire pipi. Et après, tu vas me nettoyer la maison. Je ne sais pas qui a fait ça. Tu vas jeter ça parce que là faut pas déconner. Voilà, t'es où? Toi t'es là, tu vas aller manger, après tu vas aller te doucher parce que tu pues et après tu vas jeter les assiettes. Voilà. Quant à toi, t'es tout en vert, bah c'est très bien. Tu vas t'occuper des plantes, y'a rien à faire. Bah tu vas parler à une plante, voilà, tu serviras à quelque chose au moins. Et elle ou brocoli, elle est là. Toi tu peins, c'est très bien. Alors, j'ai une grande table, je pense aussi, ouais. Mais là, on n'a pas beaucoup de simflous, donc on essaye un peu de grappiller un peu d'argent. On va faire réparer. J'ai très peur qu'elle crève. On va se garder, parce que bon, si elle meurt... Après, normalement, si elle meurt, je perds pas le challenge. Après, on va nous faire un petit chef-d'œuvre là. Ça va, elle est pas morte. Quand il va faire pipi et aux toilettes.
Voilà. Oui, bah t'aimes pas le bricolage si tu veux. Une belle jambe. MDR, mais c'est quoi cet enfant qui casse tout? Mais non, ils m'ont pété les bâtards! Attendez, quoi? La mort est inéluctable, Brooke le sait. Brooke ne... Quoi? Ne pensait juste pas qu'elle y penserait aussitôt. Il y aurait tant de choses à faire, comment Brooke pourrait-elle faire pour... si la mort rôde sur tous les coins de rue? What the fuck? Elle a peur de la mort? C'est un nouveau truc qu'elle a débloqué? Peur qui monte, peur de la mort. Oui, d'accord. Bah écoute, tu as tout réparé, ma chère, parce que quelqu'un a tout cassé. Genre, je sais qu'elle aime pas ça, mais enfin. C'est quoi ce bruit? On est d'accord qu'il y avait un bruit bizarre. Hein. Mais d'accord, la maison, elle est hantée? Non, c'est. Non, mais. Comment voulez-vous que j'ai un enfant? Hé, hey, toi là! Nettoie, va saouler, essuyer, voilà. Ah non, tu vas pas dormir. Tu vas tout nettoyer parce que tu es une personne horrible. Et toi, tu vas réparer. Oh, remplacer. Par contre, il va falloir s'occuper de toi, ma chère, parce que tu... Voilà, t'es un peu en mauvais état. Et coucou, explorateur. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'espère que toi aussi. Oh, voilà, ça fait du bien au moral. Le désert à gauche, ça non, c'est avec la nouvelle mise à... Enfin, c'est pas avec la mise à jour, mais c'est le... C'est la récompense de la faucheuse. Mais bon, moi, il est bugué le mien, donc... C'est à te corriger ça après le live. Ah là, non. Ouais, réaliser. Avoir un enfant, ah oui. Bah non. Il n'aura pas d'enfant. Par contre, tu peux aller pisser. Ah, mais c'est parce qu'il y a le gosse qui est dans son bain. Très embarrassé. Il s'est fait pipi dessus. Oh, il s'est fait pipi dessus. Oh, le pauvre. Et là. Oui. Mais non, mais le gars, il a eu peur de sa mère. Mais gars, c'est toi qui rentres dans les toilettes, hein. Ah, par contre, l'intimité dans cette famille, ils connaissent pas. Hein. Ah, vas-y, il est en train de tout dégueulasser là. Non, t'as pas besoin de nous faire rire. Mais merci beaucoup, Florian. Un challenge, ouais, c'est de génération leader. Je sais pas pourquoi je m'inflige cette douleur de gameplay. Vraiment, force à vous les gens qui aimez faire du gameplay dans les Sims. Je ne vous comprends pas. Vraiment, je pense que c'est un syndrome de Stockholm d'aimer faire du gameplay. On ne peut pas sciemment aimer faire du gameplay. C'est pas possible. On peut pas se dire, tiens, voilà. J'aime voir, exactement. J'essaie aussi le gameplay en ce moment, oui. Hop, voilà, comme ça tu vas pouvoir te doucher, mon pauvre. En fait, les deux, ils sont dégueulasses, mais ils font quoi? Je n'ai pas jamais fait, bye. Nutsuberry. Oh, Nutsuberry, c'est long aussi. Je pense qu'il serait peut-être temps de faire une deuxième salle de bain à un moment donné. Parce que là... Bon, ça va être chaud patate. En plus, ils n'ont pas fait leur... Ah, on est samedi, je me disais, ils n'ont pas fait leur devoir, mais logique. Et comme étant facétieuse... Est-ce qu'il y a des interactions drôles? Non. Bah non, peut-être bizarre. Ouais, la deuxième salle de bain... ouais. On va foutre ça à l'arrache à l'étage. Voilà. Ah vraiment, on est sur du... Voilà. Je pense que oui, c'est... il y avait besoin. Prendre du... un bain tiède. Ils me font de la peine, il fait vraiment dans des taudis quand même. Par contre, toi, tu vas peindre, hein, parce que tu vas nous donner de l'argent. Il faut pas que la maison pour le challenge à la petite Kier soit 100% fonctionnelle. Non, pas du tout fonctionnelle. C'est pas grave si elle l'est pas. Je jouerai pas dedans, donc... non, pas obligé qu'elle soit fonctionnelle. Que le bug des planques... Ouais, bah, comme moi, ici. J'essaie de faire le challenge SDF aussi, mais faut partir de 0 Sim Plus. Ouais, faut partir de 0 Sim Plus.
Alors, prendre un collectionneur. C'est arrivé. Parfait. Hop, toile classique. J'aimerais qu'elle nous peindre, qu'elle nous peigne un chef-d'œuvre. Voilà, elle vient de passer niveau 7, il y a moyen. Habité émotionnelle. Faire garder l'émotionnel bien à un Sim pendant 48 heures de Sims consécutives. J'avoue, ça a changé. Alors, voyons voir. Allez, un chef-d'œuvre. Vendre à la galerie, on se fait 1000 simflouz. Oui. Oui, il fallait que je le demande. Oui, si je veux. Hop, toi l'abstrait. Il a fait quoi? Il a vieilli? Non, non, juste des caractères découverts. J'ai cru qu'il avait vieilli. Wemai. Ok, ils sont un peu mauvais état encore. Alors, je voulais pas que tu dormes. Et après, par contre, je voulais que tu ailles dormir. D'accord, il n'y a pas la possibilité de dormir. On ne sait pas trop pourquoi. Après, tiens, dormir. Ok, toi... Bah, toi, tu dors déjà. Très bien. T'en es où? Toi, t'es là. Bah, toi, tu vas dormir. Très bien. J'ai même pas besoin de le faire. Et ben voilà. Tout, bah, écoutez, bah, tout le monde dort dans cette maison. J'ai même plus besoin de m'occuper des Sims. On a perdu sa dent, on peut attendre qu'une dent apparaisse, je vais de la remplacer d'une dent manquante. Alors, il n'y a pas un truc à faire avec les dents, justement, dans ce jeu. Je me souviens qu'il y avait un truc à faire. Certificat de la fée des dents. C'est vrai qu'il ne gagne pas de la thune avec ça. Comme que oui. Hein. Hey, il est vachement avec Brooke et avec ses parents, il est vachement en vert, en relation. Ça, c'est cool. J'ai pas l'impression qu'il leur parle plus que ça, mais apparemment si. Revoilà les enfants, on dodo, j'ai un peu de temps pour moi, trop bien. Hop. Écoute, on s'occupe de nos Sims, et comme on peut. Hop là. Hop, totalement confiante. En quoi la banque... et quoi la banque t'as suivi? Alors en fait, la banque, ça va être un petit... Alors, c'est faisable. C'est juste que ça va être un peu... voilà, il va falloir... Ils vont négocier, etc. Alors, normalement, ça devrait passer. L'agent m'a dit... Enfin, l'agent. Le banquier m'a dit que ça devrait passer. Mais que, voilà, ça... J'ai dû mettre un apport. C'était pas prévu, mais il va falloir que je mette l'apport. Pour être sûr, entre guillemets, que ça passe. Voilà. Le fait d'être à une force avec maison de serre à l'intérieur, ça me rappelle le Rectory Challenge. C'est vrai. Tout ma vie. Oh, c'est devenu un vieux. Il va mourir. Prendre le... Bah, il avait pas dit qu'il avait du courrier. Ah, c'est l'hiver! Pause. C'est l'hiver. Tu auras une réponse définitive. Alors, techniquement, la personne n'a fait qu'une simulation de prêt. D'ailleurs, faut que j'envoie la feuille de la simulation de prêt auprès des futurs... Comment ça s'appelle? Enfin, des vendeurs de la maison. Je renvoie ça, d'ailleurs. La réponse, du coup, je l'aurai que quand j'aurai le compromis de vente de la maison. Donc, c'est-à-dire dans les... Alors, je pense pas demain. Je pense que la semaine prochaine, je dois avoir ce document-là. Une fois que ce document-là, je l'ai, je le donne au banquier et le banquier lance la procédure. On a déjà préparé... ouais, négatif, c'est ça. On a commencé toute la procédure. On l'a préfaite, entre guillemets. Là, une fois que... et ben il a cet élément là, il lance tout. Je lui ai tout donné, tous les documents, voilà. Donc c'est plutôt c'est une bonne nouvelle. Hop là. Attendez, je suis teuteux, on avait dit que la cuisine elle était là, qu'elle était pas ici. J'ai fumé. C'est ici qu'il y a le salon est là. La serre, elle est pas là.
Bah aussi, la sœur, elle a laissé. Tant pis. J'ai dit que la cuisine, elle était là, je crois, non? Et moi, je suis fatigué ce soir. Hein. La porte, ça peut pas être la vente de ton appart. Alors si, mais alors en fait, ils m'ont expliqué... Alors techniquement, je pourrais mettre l'intégralité de tout ce que je gagne avec l'appartement en apport. Et il m'a dit que ça serait une mauvaise idée de faire ça parce que quand en fait... Oh putain, il y a tout eu là, c'est lui. En fait, quand on fait un crédit, ils vont regarder un peu nos finances. Et en fait, s'ils voient que je dépense... Enfin... comment expliquer? En gros, il faut que je garde un peu d'argent de côté par rapport à cette vente-là, parce que du coup, ça permet de montrer qu'en fait, je garde des sous de côté pour en fait, simplement, si jamais il y a un souci, autre que la maison, hein, juste bah, si jamais la voiture tombe en panne ou quoi que ce soit, qu'en fait, je peux réagir financièrement à des soucis. Donc en fait, il faut toujours garder un petit pécule de côté. Donc je ne vais pas mettre toutes mes économies dans l'apport, parce que sinon, ça serait plus de contre-productif plus qu'autre chose. Donc voilà. De ce qu'il m'a expliqué. Hop là. Ouais. Et pour le coup, comme je disais tout à l'heure, bah vous les viewers, le stream, en fait, va m'aider. Puisque du coup, on a également inclus les revenus que je touchais avec le stream dans la simulation de prêt. À la base, on ne devait pas le faire non plus. Mais comme on a vu que c'était un peu ric-rac, on s'est dit, pour être sûr que ça passe, on va inclure les revenus de stream. Mais qu'est-ce qu'ils ont c'est quoi cette manie des enfants à vouloir jeter tout là? Ah oui, attendez, on va retirer... on va choisir quel trait on va retirer. Alors, le trait que l'on va retirer... Je pense que ce qu'on va enlever... Hors réseau, je sais pas si je désactive. En fait, hors réseau, c'est pratique. Dans le sens où réseau nous permet d'éviter d'avoir des factures. On va enlever bestiole grouillante. Ouais, je sais qu'il est pas pareil partout. Hop là. Mais je vais le laisser comme ça. Tu veux pas les peindre? Bon, une fois qu'ils sont tous dans le vert, les Sims. Et comme quoi, avoir des bambins, c'est clairement une mauvaise idée. Hein. Ça pèse sur le moral, même sur les Sims. Oh my god, mais c'est pas possible. Nettoyer. Hey, hey, gars. Tu salis, tu nettoies. C'est génial, du coup, se dire qu'on te soutient dans l'achat. Mais c'est ça, en soutenant mon stream, du coup, techniquement, vous soutenez, en effet, l'achat de la maison. Mais c'est littéralement ça, pour le coup. Là, en effet, là, c'est clairement, c'est posé, c'est dit. Donc, merci à vous. Si jamais on obtient ce prêt, clairement, ça sera grâce à vous. Là, je pourrais le dire, j'ai eu la maison grâce aux abonnés. Vendre une galerie. Ah, j'avais pas qu'il veut vendre une galerie d'art, ça coûte plus cher. Alors, ça va être un peu compliqué. J'aurais du coup une grande maison et un grand terrain, mais pas à ce point-là. J'étais sûr qu'elle allait faire ça. Lui, j'ai un peu peur qu'il clame ça. Et on peut même plus faire crac-crac. Une bataille d'oreille, mais il va mourir si je fais ça. Pour nous accueillir. Mais les dépendances, il y en a déjà une grosse partie. Hein. Et bonsoir, toi. La petite histoire drôle. J'ai fait un blabla car pour revenir sur Orléans, quelqu'un qui te connaît. C'est un drôle, le monde est petit. Mais genre. Quelqu'un qui me connaît? What? Mais c'est qui? Coucou, Xua, du coup. Non mais je te crois, hein, je te crois. Non mais vous savez, comme quoi le monde est petit, Nota et Cyril ont pris un covoit pour aller à Toulouse. Et il s'avère que le chauffeur de ce covoit, c'était ni plus ni moins que mon cousin. Alors ça, vraiment, c'était énorme. Du coup, t'as Cyril qui m'appelle, et du coup, bah, y a Nota qui dit coucou également. Et puis d'un coup, j'entends littéralement la voix de mon cousin. Et en fait, je dis, ah bah tiens, c'est drôle, c'est la voix de mon cousin, c'est la même voix que mon cousin. Et en fait, il me dit, bah oui, bah c'est normal, c'est moi. Dans les Vosges maintenant. Ne pas donner son nom. Dans les Vosges?
Dans les Vosges. Attends, j'essaie de réfléchir. Là, je ne resitue pas dans les Vosges. Au pire, ça me reviendra, mais ouais, je veux bien. Tu t'avoues, dans les Vosges. Hop. Non, mais c'est très très drôle. Hein. Le monde est petit. Armée de l'air. Oh, bah si, ça y est, je sais qui c'est. Ok, c'est bon. Oh, bah, c'est trop drôle. Ok. C'est bon, je vois qui c'est. Non, mais c'est trop drôle. J'avoue. Non, mais comme je vous disais, le monde est petit. Un jour, peut-être, je vous raconterai une anecdote qui m'arrive aux États-Unis. Je vous tease un peu. Mais je pense que ça sera un jour un sub-goal. Un petit sub-goal marrant. Mais je pense que voilà. Parce que j'ai une énorme anecdote sur comment le monde est petit. C'est top, hein, Kimé. Franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Bah, c'est cool. C'est trop beau, là. Hop. Attends, je regarde juste un petit truc. Discord. Vous voyez ce que je trouve dommage, par exemple, dans les Sims, là, on remarque, hein, sur le gameplay que je fais. En fait, étant donné que le monde, il est fermé, en fait, je sors jamais de la maison. C'est dommage, hein, mais en fait, étant donné qu'il y a des écrans de chargement partout, je fais jamais sortir mes Sims. Parce que je trouve ça relou d'attendre à chaque fois un écran de chargement. Je me suis régalé. Oh, tant mieux. Je sais pas si vous, du coup, vous faites la même chose. Moi, c'est vrai que c'est très rare que je fasse sortir... Non ! C'est horrible ! On va assister à la mort du renard ! Oh non, je suis dégoûté. Ça va être ça, la miniature. De la peine. Même avec le monde ouvert, les Sims, c'est cassé. Ah, moi, je sais que je me souviens quand je jouais aux Sims 3, pour le coup, mes Sims, c'était jamais chez eux. C'est horrible. Ça me fait trop de la peine. Par contre, tu l'avais pas dit de manger ? Il peut pas manger. Bah tiens, mange après. Toi tu fais quoi? Toi tu dors. Vendre à une galerie d'art. C'est vrai que tu peignes plutôt que tu dormes. Un peu bizarrement dit, mais écoutez, faut des sous. Vous avez vu la maison? Il faut quand même l'améliorer là, parce qu'il n'y a rien. Il faudrait qu'on fasse qu'on détermine toutes les pièces. Oh, j'en ai marre de cet enfant. Nettoyer. Il va peut-être falloir qu'on détermine les pièces. À l'étage, je pense qu'on va faire ça après. Elle est triste. Pourquoi elle est triste? Cherche du réconfort, peur de la suite. Oh, mais ça me fait trop de peine. Par contre, elle fait des sacrées toiles. Et elle vit quand, elle, maintenant? Je crois que c'est dans un peu plus longtemps, pour le coup. Dans 17 jours, ça va, il y a le time, avant qu'elle meure. Et après, tu vas aller faire dodo. Pleurer, ça me fait de la peine quand ils font ça. Il a peur du noir. Ah, merde. Ah, il a peur du noir. Bah, tu m'étonnes qu'il n'aime pas aller dormir là-haut. Ah, ils ont 3 jours. Et peut-être qu'on va les voir adolescents. Oh, regardez ce qu'il y a là. On va se faire de la tutune. Survendre. Ah, faut niveau 8. Toi, t'es niveau combien, toi? T'es pas niveau 8, t'es niveau combien? Réveille-toi. Lui, il va pas tarder à passer l'arme à gauche aussi. Hein. Compétence. Il est à combien en jardinage? Il est niveau 6. Bah écoutez, on va juste faire vendre. Hein. Tout vendre. Ça fait que 128. Mais bon, c'est déjà ça de gagner. Et on est à 5000. Hein. Oh, c'est mignon. Par contre, va manger parce que tu vas mourir. Ah, t'es où, toi? T'es là. Hop. Toi l'abstraite. Non, pas toi l'abstraite. Toi le classique.
Merde, vous voulez parler à son mari. Besoin de conseils pour Disneyland pour renseigner une personne de ma famille qui va y aller. Pour le parking, il vaut mieux se garer proche de la sortie du parking plutôt que l'entrée du parc. Comment... Alors, en période de vacances... Oh, oula, vacances de Noël. Alors, en vrai de vrai, tu peux pas réellement te garer où tu veux. Ça dépend quand est-ce que tu arrives. Si tu arrives à l'ouverture du parc, ça va être les cast members qui vont guider, te guider pour te garer. Donc, tu pourras pas choisir. Si tu arrives plutôt fin de matinée, toutes les places seront ouvertes. Enfin, toutes les galeries, des, enfin, toutes les routes, enfin, toutes les allées des places vont être ouvertes. Et là, pour le coup, tu pourras choisir dans les places qui restent. Mais par contre, si tu arrives le matin à l'ouverture, tu pourras pas choisir. Donc, voilà. Si tu arrives dès le matin, tu seras dans les premières places. Et après, quand tu pars, bah du coup, ça sera peut-être un peu le bordel en fonction de quand est-ce que tu pars. Voilà. Si tu te gares au parking de Disney. Attention, le parking de Disney est payant. Le parking de Disney coûte 30 euros. Voilà, ça, faut le savoir. Hein. Ouais, le parking, il est cher. Ah, mais c'est parce qu'il est cassé. Pas réparé. Alors, j'avoue, je l'aurais pas fait faire leur devoir. Hein. Et coucou, Andrew. Moi, j'ai un problème. Quand je clique sur mes Sims, l'onglet n'apparaît pas. Est-ce que tu as des mods, Andrew? J'avoue, c'est bizarre. Après, tu peux y aller en train. Techniquement, t'as des trains qui vont jusque là-bas. Alors, je pense que ça vient de là, Andrew. Il y a eu une mise à jour la semaine dernière et ça peut venir de là. Donc, regarde bien si t'en as pas un qui n'est pas à jour. Je sais pas si tu as beaucoup de mods. Mais en fait, avec la mise à jour qu'il y a eu la semaine dernière, beaucoup ont été cassés. On avait notre journée à Disney ensemble. On était allé au parking du Disney Village. C'est 22 euros la journée complète, je crois. Ouais. Ouais, ça doit être à cause de la mage, Andrew. Je suis même sûr et certain que ça vient de là. ok, bon, elle dort toujours. Qu'est-ce que... Ah, faudrait peut-être qu'elle aille au travail, oui, c'est peut-être une bonne idée. Donc, c'est son premier jour de boulot et elle est déjà en retard. Ça craint un peu, quoi. Hop là. Ah, je vous mets de rien. Ouais, faut que je mette une table, mais on fera ça après. Elle est tendue, pourquoi? Angoisse solitude. Elle me fait... Ah mais ils sont tous pas là. Ils ont été distribués. C'est déjà ce qu'on m'avait dit tout à l'heure, et en fait, ça a rien fait. Donc, ouais. Hop. Oh, oh là là, c'est besoin. Oh là là. Terminé, ça... Oh là là, ils sont tous dans un état lamentable. C'est pour trop de la peine. Alors, fais tes devoirs. Enfin, faire ses devoirs. Placer dans le monde. On va faire ça. Commencer à travailler soigneusement son travail. Et toi, tu vas faire tes devoirs. Et toi, on va te mettre là. Et travailler soigneusement son travail. Voilà. Bon, ça marche aussi. Bon, j'ai... Bon, j'ai plus... Bon, tant mieux. Déjà, ils m'ont choqué les prix pour deux adultes et deux enfants dont on ne doit pas payer en plus. C'est juste l'entrée d'un parc. Bah, ouais. En fait, ouais, ça coûte très cher, hein. Disney. Tu y vas à 4. Le parking, c'est 30 balles. Après, tu peux te garer dans des parkings à l'extérieur du parc. T'en auras pour moins cher. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a pris le courrier? Je crois pas. En fait, je comprends pas. Vous voyez, j'ai un tas de lettres là et je peux rien en faire. Par jeter. Là, tu sens. Oh là là, elle va clamser la peau. Non. Non, 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 non. Va plus. Par contre, ça, c'est le truc que j'aime pas dans les Sims. Tu leur dis d'aller. Tu cliques sur le bouton pour aller dormir automatiquement et non, ils vont faire la sieste. Dors, bande d'abrutis. Ah. D'accord qu'elle m'écoute pas. Elle m'écoute pas. Oui, quand t'as le passionnel, par contre, tu ne payes pas le parking. C'est un désavantage, d'ailleurs. Oh.
On est d'accord qu'il y a un bug là. C'était trop bizarre ce que ça a fait. Mais elle m'écoute pas. Ah si, elle m'écoute, mais c'est bizarre. Allez, après tu vas dormir. Mais va dormir, espèce de gourdasse. Oh là là, mais j'avais pas vu. Les pauvres, ils les retirent tous, ils peuvent au moins laisser ça. Ben, je reprendrai pas le pass à cause de... Alors, pour le coup, le parking, on l'a toujours hein, dans le pass. Mais franchement, moi, je l'ai pas repris. J'ai pas repris le pass annuel. Le niveau resto... En vrai, moi, je prends toujours les fast-food à Disney. C'est ce qui revient le moins cher. Ah si, t'as le Bella Notte, où tu peux manger genre les spaghettis et tout, qui est pas mal. Sinon, t'as le Colonel Atty. Avec les pizzas qui sont pas trop mauvaises. Et le Hakuna Matata. Qui est pas mal également. Fuente del Oro, si t'aimes manger mexicain aussi. Bon rapport qualité-prix, les burritos sont bons là-bas. Mais j'ai l'impression que mes Sims, ils m'écoutent pas. Parce que je suis en niveau 3, faut que j'arrête de faire ça. Mais il est où? Il est là. Va prendre une... Non, 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 non. Va prendre un bain et après t'iras dormir. Toi, tu vas te réveiller, tu vas aller manger et après tu vas aller dormir. Mais ils ont. Mais. What the fuck? Pourquoi est-ce qu'ils annulent les actions quand je leur en fais faire d'autres? Ouais, bien noté, pas mal. Tu l'as dimanche, je ne peux plus faire profiter de la remise. Comment ça, on ne peut plus faire profiter de la remise? Genre quand t'es en boutique? C'est quoi cette merde? Mais non. Tu peux plus faire ça? Bah ça n'a plus aucun intérêt d'être passé annuel alors. Ou alors faut... Ou alors tu prends la carte bleue de ton pote ou de ta pote et c'est toi qui paye quoi. Ouais bah en vrai ce qu'il faut faire... En fait c'est toi qui... Enfin... Tu prends sa carte ou c'est toi qui paye et elle te rembourse quoi. Ouais bah c'est ça. J'avoue que ouais, bon bah plus grand intérêt d'être passe annuel. Je pense que j'ai bien fait d'arrêter. Ok. Est-ce que tu peux... Tu peux pas survendre. Par contre tu peux faire tout récolter. Pourquoi je peux pas? Et beaucoup trop tendu. Bah va manger. Ah bah écoute, va taper l'ours en peluche. Oh, crise de la quarantaine. Eh bah je suis café. J'ai chié à la vie. Et tu peux pas réfléchir en silence en mangeant? Oh ça m'énerve, ça annule mes actions depuis tout à l'heure là. Je vais lui... Oh, ça m'énerve. Va manger gourdasse. Hop. Vous comprenez pourquoi j'aime pas le gameplay? Il commence un petit peu à me vendre. Tu veux pas les arroser aussi? Parce que là, c'est en train de cramer en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va bosser. Eh merde. Les enfants, réveillez-vous! Allez à l'école! Oh là là, ils sont en train de sécher les cours. Dépêchez-vous! Hop. Merde, on a oublié de redonner le projet scolaire à l'autre. Mince. Nous sommes d'horribles personnes. Rêver de retour à l'école et n'y a pas quoi être fier. Son travail est tout juste satisfaisant. Ah bah génial. Oh, mais les pauvres enfants. Ils en sont où à l'école eux? Je sais plus où on voit ça. Là-dedans, je crois. Pas du tout. Si. Il ne sait pas. Non, c'est là-dedans. Il a quoi comme note? Il est en C de moyenne. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est bien, non? C'est des conseils pour préparer la première fois à Disney de mes nièces pour leur cadeau de Noël. Bah, en vrai, niveau bouffe, après, ça va dépendre de ce que tu vas aimer. Mais tu vois, moi, je disais que le Fuente del Oro, c'est sympa avec les burritos. Le Bella Notte pour tout ce que les pâtes, tout, elles sont pas mal. Et en plus, l'ambiance, c'est sympa dedans. Le Hakuna Matata, c'est très cool aussi. Là, c'est du fast-food, voilà.
Je te conseille pas spécialement. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est l'Hyperion. Il est derrière Space Mountain. Alors en vrai, c'est sympa. C'est vraiment burger style McDo. Le hic, c'est qu'en fait, tout le monde va là-bas. Et donc, du coup, c'est parce que c'est très grand, mais t'as un temps 1000 ans pour être servi. Ce que je te conseille également, c'est de décaler ton horaire de manger. C'est soit tu manges très tôt, soit tu manges plus vers 13-14 heures. Comme ça, il y aura beaucoup moins de monde. Et comme ça, tu peux faire les attractions entre midi et 2 pour gagner du temps. Parce que généralement, à partir de midi, il y a moins de monde dans les attractions. Ouais, à Noël, c'est très très sympa. Moi, une de mes périodes préférées à Disney, c'est Noël et bien entendu la période d'Halloween qui est trop bien. Mais tu pues, mais en même temps. Enfin, une sous. Konata, une super déco. Oui, c'est ça, c'est celui avec le Roi Lion, ouais. Alors, c'est pas une grosse déco Roi Lion non plus. C'est en mode hutte un peu. Elle est très tendue. Ah bah du coup, elle ne peut pas peindre. Bah, regarde. Oh là là, ils sont dans un mauvais état. Vas-y, défoule-toi. Je vais remettre le fichier. Ah, je n'étais pas du tout Vanilla pour le coup. Ma nièce de 2 ans adore ce dessin animé. Ça fait plus de 20 fois qu'elle aurait. Ah oui. Alors attends, Roi Lion. Alors il y a un nouveau Land Roi Lion qui va venir, qui va arriver au studio, mais bon, c'est pas avant 2-3 ans. Facile. Non, elle est pas tendue. Il se parle même plus. Je me sens très insatisfait de notre relation. Si tu es méchant avec moi, alors je ressens cela. Je devrais peut-être divorcer avec toi. Mais quoi? Mais non! Oh, ils me font trop de la peine. T'as vu comment je suis trop nul pour gérer ici? Ah mince! Alors, amour? Je vais faire un Halloween pour la fin de mon passe-soirée. Qu'est-ce qu'ils font? En plus, ils s'énervent. Non! Ils m'énervent. Va manger, toi, au lieu d'emmerder l'autre, là. Bye, pièce manquante, quoi. Style de vie très proche de... Ouais, bon, tant pis. Même sa version live-action, qui, moi, perso, a été... Et pour la chanson de l'amour... Non, mais alors, l'amour sous les étoiles, quand il la chante... En fait, il n'y a pas d'étoiles parce que c'est en pleine journée. Je crois que c'est la plus grosse stupidité que j'ai vue dans ce film. C'est en mode, what the fuck? Bah, écoute, non. Va manger. Je sais pas pourquoi les actions s'annulent, c'est insupportable. Ouais, t'as vu qu'il va y avoir un deuxième? Ouais, mais j'aurais pas le voir. On a arraché mes câbles de fibre. Ils n'interviennent pas avant lundi. Ah oui, bah je suis désolé. Bah en vrai, déjà ils interviennent lundi. Hein. C'est plutôt rapide. Va dormir. Ils me font trop de peine, les enfants. Le restaurant avec le cowboy. Cookout, barbecue, c'est vraiment à côté du spectacle du Roi Lion, plat et boisson entre 16 et 18 euros. Alors, pas mal. Alors pour le coup, j'y suis jamais allé là-bas. Et je sais qu'apparemment, c'est assez bon et tout. Mais j'y suis jamais allé. Je me suis trompé, c'était pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Je n'aime plus que là-bas. Bah ouais, mais je vois où c'est. C'est dans le... Moi, j'appelle ça le land abandonné de Disney. Hop là. Ouais, on a eu un raid de 6 sous tout à l'heure. Oui. Hop là.
Parfait. Alors. Oh! En plus, elle a un chef d'œuvre. Yes. Oh, on a bientôt à 10 000 simflouzans. Bah, fais une toile confiante. T'es confiante. Plus niveau 8. Parfait. Parfait, parfait, ça. La suite a fonctionné. Bon, bah, trop bien. Bah, je pense que je le testerai après le live ou je le testerai ce week-end. Parce que demain, on sera sur la... On sera sur du Star du Valais demain. Alors. Ah, juste ça. Tortique ne sait jamais ce qui rôde dans le noir, l'obscurité. Mais le pauvre, en même temps, sa chambre, elle est dans le noir. Tu m'étonnes qu'il a peur. Va prendre une douche et va manger. En même temps, il y a un monstre qui sort de son lit. Pauvre, pauvre enfant. On est d'accord que sa barre, elle monte et elle descend. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il veut pas manger? Je comprends pas. Oh là là, mais si. Compliqué. Bon, est-ce qu'on peut pas ramasser? Tiens, ramasse ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Va vaporiser le monstre. C'est bien, c'est une bonne mère. Oh, c'est la fête de l'hiver. Ouais, bon, bah écoute, hein, il n'y aura pas de cadeau. C'est la première année, il se passera rien. Mais ramasse ça, mon Dieu. Oh, vrai, ça me saoule. Ça me met hors de moi. Elle veut pas, cette courdasse. Elle veut pas. Elle va manger, espèce de gourde. Voilà, c'est tout. Mais vous aussi, vous avez tous ces bugs-là en gameplay? C'est qu'on lui a pas retiré ses enfants, vu qu'ils n'ont même pas une simple lampe pour leur chambre. Oh, ça va, ses enfants sont nyctalopes, tout simplement, ils voient dans la nuit. C'est aussi simple que ça. Non. Vendre. Par contre, je vois qu'il y a des bestioles. Pulvériser de l'insecticide. On a bientôt 10 000 simflous. Vous savez quoi? On va lui refaire une toile. Bah, on en profite autant qu'on peut. Là. Voilà. On va faire ça. Merci beaucoup, Flexou, pour le follow. On va faire ça. Après, on va la... Mais elle va faire quoi? L'autre, elle se barre. Elle est en train de peindre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller emmerder l'autre, là. Ah oui, ils s'aiment plus du tout. Ah oui, ils sont vraiment... Mais arrête! Ah ouais, il s'aime, mais alors zéro, quoi. Connaissance. Ah oui, d'accord. Voisin qui a les clés. Très insatisfaite. Ah oui, bon, bah, voilà. Rupture personnelle. Allez, jouer une amitié. Oh, bah, d'accord. Ah, mais parce qu'elle est ultra mal à l'aise pour ça. Mais Vanilla, est-ce que tu as bien respecté toutes les consignes qu'avait mis Isis? Attendez. Ou alors peut-être... Attendez, il y a peut-être eu un problème. Tu as vu... Ah oui. La suite, ça fonctionne trop bien. Parce que visiblement, Lucifred a fait la technique et ça a marché. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Allez, va prendre ta douche. Ah, c'est bien, il a dit de nettoyer la maison, lui. Il détend. Et il va tout jeter là-dedans. Ok.
Elle va mieux, elle a l'air d'aller mieux. Reprendre la toile, elle est là. Je sais pas, ça a l'air d'être une toile assez importante. Oh, ça sert à rien qu'ils se reparlent en fait, hein. ils vont rompre. Pourquoi elle est mal à l'aise? Pourquoi pas déséquilibrer? Bah tu m'étonnes. Vous me faites rire les mandales qu'elle met à cette pauvre peluche. Mais dors réellement au lieu... Putain. Oh là là. Ils me font tellement de peine. Ils grandissent dans combien de temps, eux? Dans une journée. On pourrait pas lui confier des vrais enfants et garder... Oui, bah excusez-moi, voilà. C'est pas de ma faute, ok? Elle est tellement en mauvais état, la pauvre. Oh. Je vais aller me mettre dans mon plaid. Là, j'ai une note, c'est d'aller dans mon plaid. Après le live, je vais regarder l'épisode de. Comment ça s'appelle de Agatha All Along avec Shioko. D'ailleurs, Shioko, t'es encore là ou pas? On va couper le stream d'ici 10 minutes. Bien sûr, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh putain, mais mes Sims ils vont tous clamser quoi. En vrai, on a 10 000 Sims, vous savez quoi? Il est maintenant temps. En vrai, on a assez martyrisé ces pauvres enfants. On va sauvegarder et on va faire un peu de construction pour ces 10 minutes de stream qui restent. Donc, l'étage est quand même relativement très grand. Et en plus, on pourrait carrément exploiter l'étage encore supérieur. Si on le souhaitait. On va d'ailleurs le fermer proprement. D'accord, tu sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, parfait. Alors, à l'étage d'en dessous, au niveau des chambres, le couloir il est là. Lui il est dans son lit en train de rêver. Alors. Je pense que ici on pourrait faire une grande chambre. Ce serait potentiellement la chambre des futurs parents. Des parents tout court. Ici on va faire une grande salle de bain. Là on pourrait mettre une chambre. Et là aussi faire chambre, chambre et là la salle de bain. Ça fait un couloir un peu biscornu, mais pourquoi pas. Avec ici une salle et ici des toilettes séparées. Salle de bain un peu plus grande comme ça, un peu. Ouais, ça peut être sympa. Là, ce serait vraiment la suite parentale. Une chambre, deux chambres, une autre salle de bain. Non, demain, de Boubax à 7h30, faut que je termine de bosser à 16h. Moi, je me lève demain à 6h45.
Les parents... Bon, tant pis, ça va les réveiller. Voilà. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Et en vrai... Moi, j'aimerais bien... faire ça. Alors, je sais pas trop, ça a marché. Oh, pas. Ah non, j'ai trop le seum, j'aurais trop voulu que ça passe. Et c'était mettre un escalier l'un par-dessus l'autre. Si je le mets là, les sims ne passent plus, quoi. C'est de grenier qui, tellement un jour, sera meublé. Bonne soirée, Tam4. Je vais donc vous laisser car on vient de terminer. Je vais me coucher les enfants et endormir le petit. Je laisse mon lurk sur PC. Pas de soucis, Tam4. On va pas trop tarder à se laisser. Et merci à toi en tout cas d'être passé. Ça fait super plaisir. Et puis bah, à la prochaine avec grand plaisir. Prochain stream, c'est demain, 17h, sur du Star du Valais. T'es dit ouais, on va pouvoir faire la serre. Ah si, peut-être en vrai. Alors, à son... Normalement, on les a, je crois. Oui. Hop, là, plus de sous. On a dépensé toute notre thune. Hey triste, va reprendre ta toile. Ouais, elle va nous pondre un chef-d'œuvre. Appel d'un inconnu. Bonjour, on se connaît pas, mais j'ai vu de loin, j'ai donné ton numéro à ma connaissance mutuelle. J'espère que cela ne te dérange pas, c'est juste que tu me plais énormément. Je te jure, je suis sympa, est-ce que tu aimerais me rencontrer? C'est louche, tu es louche. Je crois que je ne comprends pas ta réaction, faisons comme si cela ne t'est jamais arrivé, d'accord? Ok. Elle finira jamais cette toile. Et en vrai, on aura bien avancé dans cet épisode. Je crois que tu as raison. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Elle va quand même pas mourir. Refus de la demande. La demande de quoi? Elle va pas mourir quand même. Je crois que tu as raison, il manque la porte. Il nous reste 6 sims. On est dans l'extrême pauvreté là. Mais vous voyez comment c'est bugué parce que... Genre, ils sont à zéro, ils s'embrassent et ils se passent... Enfin... Il n'y a pas de souci, donc c'est ça qui est bizarre. Oh putain. Après, elle dit que c'est sale, mais en fait, il y a... Ah ouais, il y a la poubelle, quoi. Allez, vas-y, mange, ma chère. Hop là. Mais bon, fait jambon. Viens ici, parce qu'il y a moins de problèmes. Voilà. Voilà. À cause d'une poubelle qui est un peu trop remplie, quoi. Les rouges, je vais vendre ça 200 simclous. Ça va être trop nul. Ah bon, en plus, je vois encore une maison que ça va être ça. Oh. Il y a le Père Noël qui est là. Voilà, la toile elle coûte 145 simclous. C'était trop de la merde. J'ai le frigo qui est tombé en panne. Mais comment c'est possible que le frigo il tombe en panne et en plus il était pas en train d'être utilisé?
L'esprit de Tsumotsumo, je sais pas quoi, Tsutomu est en train de disparaître. Il était mort ? Écoute, on vient d'apprendre qu'apparemment quelqu'un était mort. On ne savait pas. Oh, elle est jolie la toile. Allez. Vendre à une galerie d'art. Ah, bah voilà, c'est de Sensible Flows. Parfait. Nous avons Brooke a décidé que la photographie était son truc et qu'elle voulait faire en plus souvent. Bah écoute, Brooke, tu verras ça une prochaine fois, ma chère. Écoutez, au moins, on aura bien, bien avancé sur cet épisode, mine de rien. Oups, ça, je active. Hop. Et voilà. Mais ouais, on aura bien, bien avancé. Hein. Je viens de voir que ta mère est dans un live. Ah, mais elle me prévient même pas en plus, celle-là. Mais elle ne me prévient pas. Elle est où? Ah oui, elle est sur The Last of Us. Mais bien sûr qu'elle est sur The Last of Us. Il faut savoir que ma meilleure amie est une fan inconditionnelle de The Last of Us. Donc, clairement, ça, c'est fait pour vous. Non. Et coucou Letty, t'arrives à la fin du stream, malheureusement, attention du gameplay, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, en fait, tous les jeudis, je fais du gameplay sur la chaîne, puisque suite au September, vous avez explosé d'ailleurs les paliers, et un des paliers, c'était de faire un Génération Leader en live avec vous. Donc, c'est chose faite. Une fois qu'on aura terminé ce challenge, bon, bah voilà, on aura peut-être plus de gameplay. Mais donc, ou alors si d'ici là j'apprécie, ça sera tous les jeudis du gameplay, mais on n'en est pas là, pour l'instant j'avoue que le gameplay ça me saoule un peu en tournant. Très vite en fait, là j'ai hâte qu'en fait tu grandisses un peu, parce que là il se passe plus grand chose, mais voilà. En tout cas je suis content que ça vous plaît, parce que vous aimez bien me voir galérer. Je vous envoie du coup chez ma copine Yumka qui est en train de faire The Last of Us, donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à rejoindre le raid, ça lui fera sûrement super plaisir. Quant à moi, quand je vous le disais, j'ai des prochains, je le ferai pas ça, y a pas de problème. Du coup, quand je vous disais, on se retrouve demain à partir de 17h pour la suite de notre... pour la suite de notre Let's Play sur Stardew Valley, puisqu'on a enfin terminé le centre communautaire. Donc on va essayer de débloquer le bateau qui nous mène à l'île Gingembre pour découvrir la suite du jeu de Stardew Valley, parce que oui, finir le centre communautaire n'est pas la fin du jeu, loin de là même. Donc voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir été là, passez une excellente fin de soirée. On se repose bien. Shioko, nous on se voit d'ici quelques minutes pour regarder l'épisode. Et puis moi je vous dis à demain, 17h. Bye tout le monde.